Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette soirée spéciale face au Beauvau. Alors cette émission vous est proposée par la coordination Stop Loi Sécurité Globale. Une soirée que vous pouvez suivre en direct sur Twitch, sur YouTube, sur Le Média bien sûr qui nous accueille en plateau aujourd'hui, mais également sur PeerTube. Alors, quelques mots de cette coordination contre la loi sécurité globale d'abord. Elle est née le 8 novembre dernier, en 2020. Elle est toute récente, tout comme la loi à laquelle elle s'oppose, à l'initiative de 4 organisations syndicales représentatives de journalistes et de la Ligue des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, cette coordination, c'est une 60aine d'organisations qui s'opposent à cette loi et à l'ensemble de ses articles. C'est aussi des manifestations avec des milliers de personnes dans la rue et une plateforme de revendications. Aujourd'hui, la coordination Stop Loi Sécurité Globale exige plusieurs choses, notamment le retrait de la proposition de loi dans son intégralité, du nouveau schéma national du maintien de l'ordre également, mais également de 2 décrets qui portent sur l'extension des fichiers de police et qui permet un fichage massif des populations, déjà prévu par ces 10 fichiers, mais surtout leur recoupement et la mise sur ces fichiers des opinions politiques des personnes fichées. Et enfin, la dernière revendication de cette plateforme, eh bien, c'est le retrait de l'article 18 du projet de loi sur les principes républicains. Vous la connaissez, cette loi sur le nom de la loi contre les séparatismes. Alors, on va commencer cette émission, mais en guise de préambule, voilà, on va bien évidemment vous parler de relations police-population, ça vous le savez. Dans une deuxième partie d'émission, vous pourrez retrouver tout à l'heure Sarah Massoud, Martin Méchin et Arthur Messot. Ils et elles vont faire le point sur cette loi. Donc si vous avez des questions à poser, rendez-vous sur Twitch et vous pourrez poser toutes vos questions dans la limite du temps disponible de cette émission, bien sûr. D'abord, nous allons parler confiance entre la police et sa population. Nous allons en parler dans un instant avec nos 3 invités, Fabien Jobard, Boka Bakaradramé et Anthony Caillé. Je vous donne rendez-vous dans une minute. Lorsque j'entends parler de violence policière, je m'étouffe. Voilà, ce sont les mots du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il pensait certainement faire un trait d'esprit qui allait faire rire les forces de l'ordre, jouant ainsi avec une expression désormais mondialement connue, celle d'Adama Traoré, ce jeune homme qui est mort en 2016. Mais également, ce sont les mots de Cédric Chouvia, « Je ne peux plus respirer », et « I can breathe » en anglais, ce sont les mots de George Floyd, cet homme mort sous le genou d'un policier aux États-Unis. Alors, c'est le même Gérald Darmanin qui parle aujourd'hui des 7 péchés capitaux de la police et lance début février le Beauvau de la sécurité. Cette grande consultation, elle va durer 4 mois et s'étaler jusqu'en mai. Elle doit donner lieu à un nouveau schéma de maintien de l'ordre, d'une part, mais surtout à la police de demain. Alors, on peut lui dire, il y a du pain sur la planche, hein, puisque la rupture de confiance entre la population et sa police ressemble de plus en plus à un abîme entre deux mondes. Ces relations police-population sont-elles compliquées? Ça, on va en discuter, mais surtout, la question principale que je voudrais poser à mes invités ce soir, c'est où est passée la confiance entre la police et sa population? Alors, j'accueille Fabien Jobard, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes le co-auteur de « Politique du désordre », c'est votre dernier ouvrage, co-écrit avec Olivier Filliol. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes aux côtés, en plateau, ce soir, de Boubacar Dramé, pardon, excusez-moi, il est tard, ancien médiateur de la ville de Gennevilliers. Vous l'avez été pendant 6 ans, jusqu'à une agression sur laquelle on reviendra. Mais surtout, vous avez été énormément sur le terrain et on parlera de cela également. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et puis, à distance, grâce à la magie de l'Internet, Anthony Caillé, vous êtes policier, vous êtes enquêteur de police judiciaire. Vous êtes également membre de la CGT Intérieur. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors ma première question, elle est pour vous, Anthony Caillé.
Quand on parle de confiance, justement, entre police et population, vous, vous êtes membre de la police judiciaire, c'est, on pourrait le dire, une partie presque dite et perçue comme noble de la police, ce sont les enquêteurs, ce sont ceux qui sont aussi représentés le plus souvent dans les séries policières, dans les films. Alors, est-ce que vous qui êtes également de la CGT intérieure, donc syndicaliste, représentant de certains de, et certains de vos collègues, est-ce que vous diriez que dans... que les polices françaises, que ce soit de la BAC aux polices judiciaires, en passant par les unités de CRS, est-ce qu'elles sont toutes à égalité, dignes de confiance aujourd'hui ? Alors, à égalité, sur la confiance, je ne saurais le dire. Il faudrait plutôt poser la question peut-être à Fabien Jobard, dont c'est le métier. Ce qui est sûr, c'est ce que vous dites, en tout cas ce que vous mettez en lumière, c'est il est évident qu'il y a une grande différence, il y a une multitude de métiers, de professions dans la police nationale, qui vont du maître nageur sauveteur, en passant par le maître chien, le CRS, le policier de police secours, hein, qui est le gros du métier, et en plus petite vraiment quantité, les enquêteurs du renseignement et les enquêteurs de la police judiciaire. Voilà. Et il est évident aussi que selon que vous soyez enquêteur de PJ ou que vous soyez en police secours, vous ne vivez pas la police nationale de la même façon. D'ailleurs, on ne se reconnaît pas forcément. Y a des espèces de césures comme ça dans la profession. Où en gros vous avez la police en tenue, hein, je vais schématiser, où là il y a vraiment un très fort corporatisme, et puis vous avez la police en civil. Alors je mets de côté la BAC, parce que les brigades anticriminalité sont une distinction quand même à part, puisqu'elles appartiennent entre guillemets à la police en tenue. En fait ce sont des policiers en tenue à qui on note leur tenue pour faire ce qu'on appelle chez nous du saut dessus. Et ensuite, vous avez la police judiciaire ou la police du renseignement, où là, on a plus affaire à des enquêteurs de PJ. C'est, ça ressemble plus en fait à un journaliste, en fait. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui va faire de l'enquête. Un journaliste avec une arme de service quand même. Est-ce que c'est important justement dans votre travail d'enquêteur, à quel point c'est important justement la confiance, cette notion-là de la confiance entre police et population dans votre métier ? Dans le métier d'enquêteur, vous voulez dire ? Dans le métier d'enquêteur spécifiquement, oui. Dans le métier d'enquêteur, c'est très important, notamment dans tout ce qui est affaires criminelles ou délictuelles. Je pense aux violences entre mineurs, aux violences conjugales. Donc c'est hyper important. Il faut que la victime puisse se sentir en confiance dans nos locaux, que... la parole que nous, on essaye d'avoir sur un procès-verbal, c'est jamais évident. Il va falloir qu'on prenne la plainte plusieurs fois, enfin en tout cas qu'on revienne sur les auditions de nombreuses fois. Et il est évident que si la confiance n'est pas là, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Et donc on a intérêt effectivement à créer ce lien de confiance. Et pour créer ce lien de confiance, il y a plusieurs choses. Hein, mais en tout cas, la première des choses, c'est effectivement d'être avenant et puis d'avoir une solide formation. Ouais. Alors, Fabien Jobard, à quel moment, vous qui êtes sociologue, on peut définir, on passe justement de la confiance à la défiance ? Comment est-ce qu'on qualifie justement ça ? Il y a mille manières de le mesurer. Hein. La première et la plus simple, et qui n'est d'ailleurs de moins en moins coûteuse, c'est de faire un simple sondage auprès de 1000 personnes représentatives. Et ce qu'on note dans ces sondages, c'est qu'il y a une baisse très prononcée de la confiance générale dans la police, plus dans la police d'ailleurs que dans la gendarmerie. Il y a une baisse de la confiance enregistrée auprès des Français. Vous pouvez également mesurer la confiance à tout un ensemble de gestes qui vont faciliter ou ne pas faciliter le travail de police. C'est important la discussion que vous venez d'avoir avec Anthony Caillet, parce que ça éclaire un métier sur lequel on parle peu, qui est celui de police judiciaire, et qui repose effectivement sur la confiance. Regardez les débats qui traversent la société française aujourd'hui et qui concernent les violences dans l'espace intime, dans l'espace domestique. Violence d'un homme sur sa femme, violence d'un homme sur ses enfants, violence d'une femme sur ses enfants. Il faut un degré considérable de confiance dans les pouvoirs publics,
dans la police, dans la justice, pour pouvoir s'en ouvrir. Et ce que des sondages un peu plus fins que ceux dont on a l'habitude permettent de voir, c'est que par exemple, dans les cités, dans les grands ensembles, dans les endroits où les tensions sont vives entre la police et la jeunesse, ben, ce qu'on enregistre, c'est deux choses. D'abord, les gens là-bas veulent de la police. Ils disent on a besoin de policiers parce que le quartier n'est pas calme, parce qu'on ne se sent pas en sécurité dans notre quartier ou bien à la gare RER toute proche. Ils veulent de la police, mais en même temps, ils disent la police qu'on nous offre aujourd'hui, elle est trop brutale, elle est raciste, elle parle mal aux jeunes. Et donc, ce n'est pas cette police-là que l'on veut. Donc, il ne faut pas confondre, à mon avis, deux débats. Un débat qui porterait sur faut-il une police, oui ou non, et un autre débat qui est quelle police veulent exactement les Français, et avant tout les Français qui en ont besoin. Alors Boubacar Dramé, vous avez été médiateur, donc vous avez été sur le terrain de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, mais les Hauts-de-Seine ce ne sont pas que des quartiers UP, ce sont aussi des quartiers populaires. Est-ce que vous reconnaissez un quotidien ou une réalité dans ce que vient de dire Fabien Jobard, c'est-à-dire il y a des polices, c'est-à-dire il y a celles auxquelles on peut s'adresser quand on a besoin d'aide, et puis il y a celles que l'on croise sur le terrain et qui, sur lesquelles, avec qui on peut pas être dans un rapport de confiance, pour le dire vite. Alors avant de parler des polices, tout d'abord, ce à quoi aspirent les habitants des quartiers ou des cités, c'est d'être en sécurité, comme n'importe qui. Et donc, que ce soit par la police ou pas, tout simplement, ce à quoi les gens aspirent, c'est d'être en sécurité. Est-ce que vous diriez, pardon de vous couper, mais que dans les quartiers populaires, on a moins accès à ce service public ? Bah alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on n'a pas le même rapport avec la police selon qu'elle nous suspecte ou qu'elle nous escorte. Et en fait, dans les quartiers populaires, le rapport il commence bien souvent très très mal. Dans le sens où on a des enfants qui se font contrôler par la police. Moi, mon premier contrôle, j'avais 11 ans. J'avais même pas de pièce d'identité à proposer. C'était un carnet de correspondance que j'ai donné au policier qui m'a contrôlé. C'était un homme, il était âgé, ce qui fait que déjà c'est intimidant. Et pourquoi est-ce qu'il vous a contrôlé ? Est-ce qu'il y a une raison qui vous a été donnée ? Bah, y a pas forcément de raison. Et puis, c'est un souvenir quand même, qui est quand même assez lointain. Et on n'ose pas forcément poser de questions parce qu'on n'est pas en position d'égal à égal en tant qu'enfant face à un homme qui plus est armé, intimidant. On n'a pas forcément notre mot à dire. Ensuite, par rapport à la déclinaison de tous les différents types de police, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne cherche pas forcément à savoir quel type de policier on a en face de nous. En tant que citoyen lambda, bah, la police, à l'origine, c'est un tout. Ensuite, OK, il existe différents métiers, mais je ne sais pas, c'est comme dans la médecine. OK, on aura des médecins généralistes et d'autres types de médecins, mais quand on va dire médecine, on va penser d'abord à un tout. Donc, ce que disait Fabien Jobard, et puis aussi Monsieur Caillé, quand on a affaire à la police, on ne se dit pas bah, tel policier, on peut lui faire confiance, ou tel autre, non, on ne peut pas lui faire confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous feriez confiance à certaines polices, ou en tout cas, est-ce que si vous aviez besoin d'aide, aujourd'hui, vous iriez voir la police ? Moi, je l'ai fait, d'avoir confiance en la police, et malheureusement, mes illusions, elles se sont vite envolées. Encore une fois, je ne fais pas un tout, mais c'est vrai que bah, ça a été compliqué parce que se diriger vers un policier, lui faire confiance et ensuite se rendre compte que sa parole elle est constamment mise en cause, qu'on est constamment acculé, bah, au bout d'un moment c'est compliqué. Surtout dans mon cas, j'ai été victime d'une dérive qui était quand même grave et qui à ce jour est toujours impunie. Donc de me dire est-ce que je fais confiance à la police, j'aimerais, mais aujourd'hui je me mentirais à moi-même si je le disais. Alors justement, on va y revenir à cette histoire brutale que vous avez vécue. C'était il y a 3 ans. Il y a 2 ans bientôt. Il y a 2 ans, oui. En 2019. C'est ça. Donc voilà, un petit peu plus de 2 ans, mais bon, c'est un détail. Et il y a des vidéos, il y a des images qui ont été tournées de l'agression dont vous avez été l'objet. C'était donc à Gennevilliers. Vous n'étiez pas en service parce que vous étiez médiateur, mais à ce moment-là, vous ne l'étiez pas. Est-ce que on va regarder quelques images de ce qui s'est passé? Est-ce que vous voulez bien revenir un petit peu sur les faits, comment ça s'est déroulé et surtout quelles traces ça vous a laissé? Ouais, quoi? Mais travaille sur la ville, t'es dit.
travaille à la ville, c'est un agent de prévention, c'est un médiateur. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit. Bien sûr, on filme. Vous, vous êtes policier, vous. Attends, je vais essayer de mon scooter. Donne-moi les clés du scooter. Donne-lui les clés. Attendez, excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je prends les clés du scooter. Vous dites un truc. Les clés du scooter. Monsieur, s'il vous plaît. Les clés du scooter. Aïe, mes couilles. Aïe. Les clés du scooter. Alors on vous voit dans la vidéo souffrir, on vous voit à terre, on vous voit au sol, on vous voit vous adresser aux policiers qui ne vous répondent pas et qui s'en prennent à vous, qui s'en prennent à votre virilité en l'occurrence. Est-ce que cette agression dont vous avez été la victime, vous avez su en parler tout de suite? Est-ce que ça a pris du temps, justement parce que c'était des policiers? Déjà, vous voyez bien que le dialogue, il est compliqué. J'essaie juste de parler avec eux. En fait. Ils sont complètement fermés. Ensuite, mis du temps, non, parce que... Enfin, dans un premier temps, non, parce que les images, elles ont circulé assez rapidement. Mais je n'avais pas pris la parole publiquement. J'avais lancé la procédure et puis je patientais. Sauf qu'entre-temps, je me faisais harceler. C'est-à-dire que quand je croisais les équipages de la BAC de ma ville, ils étaient solidaires de ceux qui m'avaient interpellé. Est-ce que vous connaissiez les policiers qui vous ont agressé ce jour-là? Non, je ne les avais jamais vus. C'est les policiers d'une ville limitrophe. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur le déroulement des faits, c'est-à-dire d'où ça part? Parce que là, en fait, dans les vidéos, on voit uniquement le moment où ils s'en prennent à vous. Mais qu'est-ce qui se passe avant? Ce qui se passe avant, c'est que je suis sollicité par une maman qui avait perdu sa fille. Moi, j'étais en scooter, du coup, je lui pose une série de questions. Et je lui conseille d'appeler la police pour signaler la disparition. Et pendant ce temps-là, moi, je me mets à la recherche de la petite. Je finis par la trouver, je reviens, je la rends à sa maman, qui éclate en sanglots, qui me remercie. J'étais avec un jeune, d'ailleurs. Puis elle part. Et quand elle s'en va, en fait, il y avait une voiture qui était garée à une intersection quand je lui ai ramené sa fille. Et du coup, les passagers de la voiture ont assisté à toute la scène. Ils ont bien vu qu'il s'était passé quelque chose et que c'était plutôt positif. Et dès qu'ils sont descendus de la voiture, je leur ai dit que c'est nous qui les avions appelés pour signaler une disparition. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas là pour ça, qu'ils faisaient seulement des vérifications. Et moi, j'étais dans l'euphorie d'avoir retrouvé la petite, ce qui fait que je parlais avec les mains. Et puis, voilà, j'étais souriant, etc. Le premier policier, tout s'est bien passé avec lui, il était à l'écoute, etc. Et son deuxième collègue, lui, il n'était pas dans le dialogue. Il ne voulait rien savoir. Et selon lui, je correspondais à un profil. Donc, je leur ai immédiatement décliné mon identité, mon nom, prénom, ce que je faisais dans la vie et dans la ville. Qu'ils sachent que je travaillais en tant que médiateur, qu'il y avait des jeunes qui n'étaient pas très loin, que je côtoyais dans un cadre professionnel et que d'être vu dans cette position, demain, ça serait compliqué pour moi au travail. Du coup, je leur ai tout détaillé. Sauf que ce policier-là, il voulait rien savoir. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a plaqué contre mon scooter. Il a mis ses mains dans mes poches. Du coup, je lui ai dit que je préférais les vider tout seul, ça ne lui a pas plu. Et ensuite, il a décidé de me mettre au sol. Quand il m'a mis au sol, il m'a étranglé la gorge. Pardon, il m'a mis le genou sur la gorge. Et son collègue qui était venu à l'origine avec le sourire, bah, il est rentré dans son jeu. Ce qui fait qu'il était à deux sur moi. Il était en train de m'obstruer les voies respiratoires. J'avais du mal à respirer, je criais. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu des images. Sinon, aujourd'hui, je pense que c'est moi qui serais poursuivi. Là, il y a la preuve, noir sur blanc, que ce jour-là, ils s'en sont pris à moi gratuitement. Ils se sont trompés, ils pensaient avoir affaire à quelqu'un. J'étais pas ce quelqu'un. Et comme bien même ils l'ont su, ils sont allés jusqu'au bout. Donc, de me demander d'avoir confiance en la police après tout ça, c'est compliqué parce que moi, les seuls policiers qui ont condamné ce qui s'est passé, c'est des gens qui l'ont fait en off. Ça n'a jamais été fait de façon officielle. Ça n'a jamais été fait de façon publique. C'est juste en off, on me dit que c'est bien d'avoir porté plainte, qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Mais voilà, encore une fois, c'est du off. Et ensuite, ce que je disais, le fait que j'en ai parlé publiquement, c'est parce que je me faisais harceler. Donc au bout d'un moment, j'ai été obligé de me défendre. Vous faisiez harceler par les policiers de la BAC Oui, de ma ville, donc de Gennevilliers, qui quand ils me croisaient, m'interpellaient par mon nom de famille, et me disaient qu'ils me connaissaient, que c'était pas très flatteur d'être connu par la police, qu'ils me disaient qu'ils allaient me faire la totale la prochaine fois qu'ils tomberaient sur moi, qu'ils me disaient qu'ils avaient vu les images de mon interpellation. Intimidation, c'est ça. Et sauf que tout ça, c'était, encore une fois, voilà, c'était pas face caméra. Et heureusement que j'étais avec des gens qui, à chaque fois, pouvaient aussi attester de ce que je disais. Et moi, ce que je faisais, c'est que je contactais le commissaire de Gennevilliers et le maire, et je leur faisais savoir. Et je leur envoyais des textos pour qu'ils sachent que là, c'était trop. Je ne pouvais plus supporter. Déjà, j'étais dans un état de stress post-traumatique. Et à côté de ça, je subis des pressions au quotidien alors que je n'ai rien fait. Donc, je veux bien, c'est la police, mais j'ai le droit d'être en sécurité. Où en est la procédure aujourd'hui? Est-ce que... 2 ans plus tard, votre plainte a débouché sur quelque chose? Est-ce qu'il y a eu une enquête? Est-ce que vous avez eu des nouvelles? L'enquête, elle est extrêmement chronophage. Là, on vient seulement d'arriver au point où l'enquête préliminaire, elle est terminée.
Du coup, il y a eu besoin d'un an et demi pour du coup convoquer les policiers, convoquer les témoins, parce que la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a aussi des témoins qui ont assisté à la scène et qui ont accepté de faire part de leur témoignage. Et là, l'enquête préliminaire, elle est terminée, mais je n'ai pas de réponse concrète de la justice. Ces policiers-là, ils sont toujours en poste. Moi, je n'ai pas travaillé pendant presque 6 mois. J'ai dû changer d'activité professionnelle. Moi, ça a changé plein de choses dans ma vie. Sauf que eux, pour eux, tout va bien. Moi, je ne suis pas anti-police. Mais par contre, la justice, oui, je la veux. Mais honnêtement, chaque jour qui passe, il m'éloigne un peu plus de la justice. Parce que si on fait quelque chose qu'il ne faut pas dans notre travail, on ne nous laisse pas en poste de façon impunie pendant autant de temps. Anthony Caillet, qu'est-ce qui fait, selon vous, alors je ne vous demande bien sûr pas de commenter cette affaire en particulier, mais des affaires comme celle-ci, il y en a plusieurs, et notamment plusieurs dans lesquelles il n'y a pas de témoignage, ou en tout cas dans l'affaire Michel Zecler, notamment assez récente, c'est assez notable. Les policiers il y a des policiers qui agissent et puis il y en a d'autres qui regardent. Qu'est-ce qui empêche justement des collègues qui sont en désaccord profond avec une violence qui a lieu, un contrôle abusif ou quoi que ce soit qui sort du cadre, d'intervenir ou tout simplement de dénoncer en interne? Est-ce que c'est compliqué? Alors bon, je vais pas me faire que des amis, mais malheureusement on a un peu l'habitude. Mais oui, c'est très compliqué. Il y a une omerta qui est vraiment très installée dans l'institution, une omerta qui est mise en place par l'institution policière, mais pas que, qui est également mise en place par certains syndicats de police qui sont assez puissants au ministère de l'Intérieur, hein, puisque notamment, on a pu le voir ces derniers temps, l'écriture de justement du sujet qui nous préoccupe ce soir, de la loi sécurité globale, qui a quand même été une commande de syndicats de police, un bobo de la sécurité qui a été menacé par certains syndicats en disant nous n'accepterons pas d'aller à ce bobo si on n'a pas de contrepartie, c'est-à-dire si on n'a pas de certitude qu'autour de la table on n'aura pas de gêneur. Voilà, et donc l'omerta, elle est là, elle est présente. Et c'est en ça que moi, où je dis que dans la police, il y a de la violence systémique. Alors moi, on me dit non, c'est pas vrai, ce sont des brebis galeuses et tout. Alors oui, mais effectivement, 1 plus 1, 1 plus 1, on peut toujours dire que c'est des brebis galeuses, mais à partir du moment où l'omerta est installée, où personne ne peut parler, la parole n'est pas libre dans un commissariat de police, vous risquez tout de suite de vous retrouver au placard, et bien, à partir de ce moment-là, en tout cas, nous, on estime, et moi, j'estime que ça favorise un système et que donc, on peut utiliser le vocable systémique. Alors, Fabien Jobas, vous en parlez dans votre ouvrage de cette théorie du fruit pourri, hein, qui serait le fruit pourri dans la corbeille de fruits sains. Pourquoi l'institution policière est-elle si attachée, justement, au fait de considérer qu'il y a la violence de certains policiers, mais pas de violence policière? Ça, c'est pas un trait propre à la police française, dans le fond. Toutes les institutions policières s'attachent à chaque affaire à dire que c'est le fait d'un policier ou au maximum d'un groupe policier. L'affaire Serpico, par exemple, au début des années 70 à New York, avait défrayé la chronique par la violence exercée par son service des stupes, mais pas l'institution policière en elle-même. Parce que dans le fond, la police, c'est une institution qui est fondée à utiliser la force, bien sûr, à bon escient, bien sûr, dans les règles. Mais toujours, lorsque vous mettez en cause l'institution policière dans son ensemble, les policiers réagissent en disant « Très bien, vous nous mettez en cause parce qu'on est dépositaire de la force publique, eh bien nous n'emploierons plus cette force. » Et donc c'est ce jeu en permanence de chantage, de transaction entre la police et le pouvoir politique qui apparaît à chaque mise en cause. Alors je disais que c'est un trait structurel de l'ensemble des polices. Le problème aujourd'hui, c'est que en France, les affaires telles que celles que vous venez de rapporter, elles sont bien plus nombreuses que dans tous les autres pays d'Europe occidentale. Et ça, c'est quelque chose qui est manifeste depuis au moins une vingtaine d'années.
Si bien que, en effet, à la fois la singularité de la police française, la fréquence de ces affaires-là, peuvent nous permettre de parler de problèmes systémiques. Alors, justement, vous parlez de systémique, ça c'est un mot qui n'est pas dans le vocabulaire visiblement du gouvernement, ni dans celui de Christophe Castaner, puisque il a, à l'été dernier, d'abord dit qu'il était intolérable qu'il y ait des pratiques racistes dans la police, avant de rétropédaler quelques jours plus tard, notamment sous la pression des syndicats de police qui ont déposé, qui ont manifesté leur opposition, comme ils le font assez souvent de manière très spectaculaire. Est-ce qu'il y a aussi une impasse politique pour faire bouger le curseur lorsque le pouvoir politique tente, parfois maladroitement, mais parfois aussi avec un peu de fermeté, comme a tenté de le faire Christophe Castaner, de prendre cette question des discriminations et des violences systémiques dans la police ? Il est certain que le sujet n'est pas neuf. Dès la fin des années 80, des émeutes dans divers quartiers de banlieue qui partaient chaque fois de problèmes avec la police, ou bien simplement parfois de rumeurs de problèmes avec la police, qui étaient tellement crédibles que ça suffisait à embraser un quartier. La marche pour l'égalité en 1983 est également partie de violences policières, très très grave à l'époque, dans la périphérie de Lyon. Donc effectivement, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a un rapport de force qui s'est installé entre l'institution policière et le pouvoir politique, quel que soit le gouvernement, de gauche, de droite. Et pour l'instant, effectivement… C'est un peu sans fin, en fait, aussi, ces tensions, que, en tout cas, ça débouche toujours sur le même résultat, c'est-à-dire que ça n'avance pas. Oui, effectivement, on sait que des mesures, par exemple, pour lutter contre les contrôles aux faciès, sont évoquées depuis plus d'une décennie, sont très difficilement, très laborieusement mises en œuvre. RIO, qui permet l'identification sur l'uniforme. C'est ça. On a vu, durant le mouvement des Gilets jaunes, qu'il était peu porté, alors qu'en maintien de l'ordre, on intervient en présence de son supérieur hiérarchique direct. On a vu des actes assez proprement incroyable, parce que les policiers aujourd'hui savent que la plupart du temps, sur la voie publique, ils sont filmés. D'ailleurs, votre anecdote en rend bien compte. Et pourtant, les affaires de violence se sont multipliées. Donc effectivement, on est dans une situation, sinon d'impasse, en tout cas de gel des positions de ce point de vue. Le mois de décembre 2020, avec l'affaire Michel Zecler, avec des affaires moins importantes mais très marquante, comme ce croche-patte administré par un commissaire divisionnaire, quelqu'un qui passait devant lui, ça a soulevé une vraie émotion publique. Au fond, c'est triste à dire, mais bien souvent, les polices, elles se réforment lorsqu'il y a des scandales. On réforme rarement la police en eau plane. Et l'émotion, la discussion publique que ça ouvre, que le gouvernement tente d'organiser avec ce Beauvau, ça ouvre peut-être une fenêtre d'opportunité pour poser les problèmes sur la table. Mais c'est hypothétique, hein, ce que je dis là. – Alors en tout cas, il y a un sujet qui ne fait pas partie des sujets du Beauvau, c'est celui des contrôles dits aux faciès dont vous parliez, Fabien Jobard, parce que vous êtes aussi le co-auteur d'un rapport, le premier en France, hein, qui mesure l'étendue du contrôle dit aux faciès, les contrôles d'identité discriminatoire. J'aimerais qu'on regarde une petite infographie là-dessus, puisque un sondage récent, qui est un sondage qui est fait par l'Institut ELAB, nous dit que dans la population générale, les contrôles d'identité apparaissent assez faibles, c'est autour de 16%. Et puis ensuite, si on regarde la population des jeunes hommes ou des jeunes hommes apparemment noirs et arabes, eh bien ça monte à 80%. Donc depuis 2009, les choses n'ont pas beaucoup évolué. En l'occurrence, la question là qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un déni important autour de ces contrôles d'identité discriminatoires au sein de l'institution policière, ou est-ce que ça commence à bouger un petit peu autour de ces questions-là ?
Alors, précisément, les choses ont évolué. C'est vrai qu'on a sorti la première étude qui attestait de discrimination manifeste selon le sexe, l'âge, la couleur de peau, la manière dont on est habillé. Tous ces facteurs se cumulent. Hein. J'imagine qu'il ne faut pas porter une robe, c'est-à-dire c'est quoi la manière d'être habillé? C'est en survêtement? Si vous portez une robe et que vous êtes une femme, ça va. Si vous portez une homme et que vous êtes un homme, ça va moins bien. Mais effectivement, le sexe est très discriminant, l'âge également. Et on avait mesuré l'apparence vestimentaire typiquement jeune, on avait qualifié ça comme ça. Mais en gros, et ça a été confirmé par d'autres études ensuite, le port du survêt, de la casquette, des baskets, était très prédictif du contrôle. Et évidemment, le fait de relever, ou sembler relever, d'une minorité apparente, comme disent les Québécois. Alors, et le cumul de ces facteurs, c'est-à-dire être jeune, noir, avec casquette, est très très prédictif du contrôle. Attention, ce sont des contrôles que nous avons relevés sans commission d'infraction. Des contrôles d'initiative policière, ou comme la procédure pénale l'appelle, les contrôles préventifs. Bon. Et donc ces chiffres ont été mis sur la table, ils n'ont pas été contestés. L'étude était faite dans les règles de l'art. Et ça a modifié la façon dont on en parle. Il n'y a pas de déni comme il y en avait il y a 20 ans. Non, les contrôles au faciès n'existent pas. Mais il y a, de la part de tout un ensemble de policiers, notamment de syndicats de police, la même qu'évoquait Anthony Caillet à l'instant, des tentatives de justification de ces contrôles, et notamment le fait que, vous comprenez, si on contrôle les jeunes Arabes, les jeunes Noirs, c'est parce que ce sont eux les délinquants. Et là, il y a tout un travail à faire. Qui consiste à expliquer à quoi sert un contrôle d'identité. Qu'est-ce que c'est que la délinquance quand elle est réduite à la délinquance de rue? Qu'est-ce que c'est la nature du travail policier? C'est à Anthony Caillet que je voulais adresser cette question, puisque c'est un sujet récurrent au sein de la police de prendre en compte ou disons, pour faire court, de critiquer ce qu'on appelle la politique du chiffre, c'est-à-dire cette politique consistant à demander aux policiers des résultats chiffrés qu'on rend à intervalles réguliers et qui permettent de mesurer la performance d'un commissariat, voire même d'un service. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que cette politique du chiffre, elle encourage aussi des contrôles d'identité plus fréquents, puisqu'à partir du moment où on contrôle quelqu'un qui est en infraction, ça fait monter les chiffres? Et est-ce que c'est aussi un sujet dans la police et un sujet qui avance un peu? Alors oui, c'est même si le contrôle d'identité, il est, il arrive bien avant la politique du chiffre. Hein. Il a aussi été là pendant des périodes peu glorieuses de la France, hein, notamment la période des colonies, la période de l'indépendance des ultramarins, et ensuite est arrivée la politique du chiffre. Donc ça, c'est un peu plus récent dans l'histoire de notre pays. Qui remonte en gros à l'arrivée de Nicolas Sarkozy, qui a voulu effectivement mettre en place une rétribution aux chefs de service en fonction de ce qu'ils allaient pouvoir produire dans leur commissariat. Et là, pour pouvoir produire et pouvoir montrer la production qu'on fait, il a fallu mettre en place un certain nombre de chiffrages. Et c'est pour ça que la politique du chiffre, c'est comme ça que la politique du chiffre est arrivée. Et il est évident que le contrôle d'identité permet, dans nombreux quartiers parisiens, de la petite couronne ou de grandes agglomérations françaises, de faire d'une part du stupéfiant, ce qui est assez simple, hein, puisqu'un consommateur, c'est l'objet de délit, et donc c'est un fait constaté, un fait élucidé, et à l'identique pour les étrangers en situation irrégulière, qui plus est depuis les grandes vagues de migration. Vous pensez bien que c'est quelque chose qui est usé, abusé dans certains quartiers de Paris, oui. Mais est-ce que justement, ça vous paraît une piste intéressante de s'attaquer justement à cette politique du chiffre en disant ça suffit, on évalue différemment le travail de la police et des policiers et on cesse enfin avec cette manière de rendre des comptes, en tout cas d'évaluer l'efficacité du travail, et on passe à autre chose? Est-ce que ça...
disons, ça suffirait ou ce serait une bonne première étape pour en terminer avec ces contrôles abusifs qui découlent aussi de la fréquence des contrôles d'identité qui sont parfois injustifiés. Ah, mais c'est une étape obligatoire, mais enfin, aujourd'hui, force est de constater qu'avec le gouvernement qu'on a, il est quand même très peu probable que la donne change. On est quand même sur un gouvernement qui prône le libéralisme à outrance. Hein. On le voit bien en pleine période de Covid où on nous a dit qu'il fallait saluer les soignants à nos fenêtres. On continue à dépouiller allègrement les hôpitaux publics. On fait la même chose avec la police nationale. On vous demande davantage d'objectifs chiffrés de plus en plus ou à des endroits qui n'étaient pas concernés auparavant ? Ben, c'est pas forcément, on va pas nous. Si, en fait, c'est, tout ça, c'est très. Il n'y a rien d'écrit, hein, mais on va vous faire comprendre qu'il faut aller par là, que votre activité ce mois-ci, elle n'a pas été terrible, que vos congés du mois d'août que vous avez demandé, bah, du coup, peut-être qu'ils seront reportés parce qu'on aura besoin de plus de monde dans la brigade pour faire monter les chiffres. Voilà, en fait, on vous dit pas allez faire du chiffre à tel endroit. On vous dit. Ce mois-ci, on est en difficulté, c'est pas très bon, faut mettre un coup de collier. Donc c'est comme ça, en fait, que ça se manifeste. Mmh. Boubacar Dramé, justement, sur le terrain, puisque vous avez été pendant 6 ans médiateur de rue, donc vous avez aussi été témoin de nombreux contrôles d'identité, vous en avez vous-même subi. Est-ce que vous diriez que la multiplication de ces petits contrôles, qui ne sont pas en soi un acte de brutalité, parce qu'ils peuvent aussi bien se passer, ils peuvent bien ou mal se passer, on va dire, mais est-ce que le fait d'être contrôlé comme ça fréquemment, tous les jours, plusieurs fois par jour, ça fabrique de la violence sociale quelque part? Bien sûr, ça devient embêtant. On a l'impression d'être ou une cible ou une menace. Parce que de se faire constamment contrôler, c'est qu'il y a quelque chose de suspect. Et puis, moi, il y a quelque chose que je note, c'est qu'à la suite de ça, j'ai parlé avec beaucoup de monde. Et les seules personnes qui m'ont dit qu'ils ne s'étaient jamais fait contrôler, c'est des gens qui sont blancs. Est-ce que c'est du hasard? Donc oui, au bout d'un moment, on en a marre. Et il y en a qui perdent leur nerf parce que à se faire contrôler plusieurs fois par jour, forcément, au bout d'un moment, on finit par être excédé. Est-ce que vous sentez aussi, vous, ça, que c'est vous êtes parfois contrôlé pour le principe d'être contrôlé ou en tout cas pour aucune raison qui vous semble valable? Bien sûr. Pas plus tard qu'hier, il y a un jeune qui m'a envoyé un message en me disant qu'il venait de se faire contrôler en rentrant chez lui. Du coup, il est rentré son scooter dans son garage. Ils sont descendus, ils l'ont contrôlé. Et puis ils ont parlé avec lui de sport de combat parce qu'il fait du grappling. Et puis quand il leur a dit, bah, vous devriez en faire, il y a même des collègues à vous qui en font, etc. C'est franchement bien comme sport. Et ils lui ont dit, non, c'est pas la peine qu'on en fasse. De toute manière, on contrôle les mecs comme vous, les Arabes et les Noirs. Pas plus tard qu'hier. Donc en fait, c'est la routine. Donc quand vous disiez, oui, la création de la violence sociale, en fait, la violence, on se construit avec. On se construit en se disant, on va devoir zigzaguer entre telle et telle discrimination. Parce que quand on est petit, où ça nous arrive, où on voit que ça arrive à des plus grands que nous, en fait, ça fait partie du décor. Est-ce que justement, ce que disait Anthony Caillé vous paraît pertinent? C'est-à-dire qu'à encourager les policiers à faire leur travail autrement, est-ce que vous pensez que ça pourrait améliorer la situation, en tout cas la relation, de la rendre moins défiante, on va dire, entre les policiers et, disons, les jeunes hommes de quartier populaire, puisque ce sont eux qui sont le plus contrôlés? Complètement. Et puis ce qu'il devrait y avoir, ça serait un rôle un peu plus social, parce que là, trop de répression fait que le dialogue, il est compliqué. Et forcément, comment ne pas être en colère au bout d'un moment? Donc, si la police, elle s'évertuait à considérer les jeunes, entre guillemets, de quartier comme des gens qui ont des droits à part entière et non pas comme des sous-citoyens ou des gens à qui on peut tout faire sans risquer d'être inquiété, ouais, ça arrangerait les choses. Il y a des gens qui sont fatalistes et qui se disent de toute manière, on n'a aucun droit, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit, ils seront toujours au-dessus de nous et ils font ce qu'ils veulent. Des gens qui l'ont intériorisé et qui se disent, c'est pas la peine et c'est pas une ou deux personnes. Il y a un sentiment d'impunité. Vous en parlez aussi de ça, mais plutôt sur la partie, sur la partie des missions de la police dont on a peu parlé jusqu'ici, qui c'est le maintien de l'ordre, notamment le maintien de l'ordre en manifestation. Dans ce contexte-là, il y a eu énormément de violences. On regarde très rapidement quelques images, puisqu'on va devoir conclure, on arrive malheureusement au terme de cette émission très bientôt, mais je voudrais qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé au moment du mouvement des Gilets jaunes et dans les mouvements suivants. Oh,
Michel reçoit aussi plus d'une quinzaine de coups de matraque, principalement au niveau de son visage et de son crâne. Les policiers lui donnent aussi des coups de genou dans la tête et l'étranglent à plusieurs reprises. Alors, dans les manifestations de Gilets jaunes, il y a eu plusieurs fois des violences, des brutalités policières constatées, filmées, documentées. Et cette violence, disons, en manifestation, elle a conduit aussi de nombreux Gilets jaunes qui n'avaient jamais été confrontés à cette forme, ce format de répression, à se rendre compte que, eh bien, c'était possible de, en quelque sorte, basculer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire de ne plus être considéré, en tout cas le disent-ils, comme un citoyen jouissant de ses pleins droits, mais avec le sentiment d'être devenu un ennemi. Fabien Jobard, est-ce qu'on peut dire que la manière dont la police exerce ses différentes missions avec plus ou moins de brutalité, ça peut construire un ennemi, ou en tout cas ça conduit des franges entières de la population à ne plus se sentir non seulement comme des citoyens, mais tout simplement comme ayant des droits? C'est compliqué d'intégrer ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes d'une certaine manière à la discussion, parce qu'en fait on parle d'espaces sociaux et en partie d'espaces géographiques très différents. La plupart du temps, les gens qui montaient à Paris ou bien à Toulouse ou bien à Marseille ou bien à Bordeaux pour aller manifester, ils ont vu une police brutale en face d'eux. Et quand ils retournent chez eux, ils sont souvent dans des villes ou des villages dans lesquels exerce la gendarmerie. Et deux mondes vraiment très différents. Deux mondes qui sont effectivement, on peut le dire, je pense, de plus en plus différents quant à l'approche des populations, quant à la relation à la population. Quand on est en manifestation, on est dans un moment spécial. On est dans un moment un petit peu de suspension du cours des choses. On interrompt la circulation, on s'approprie la rue. Et il faut bien voir que le mouvement des Gilets jaunes a été quand même marqué par une chose. C'est l'état d'impréparation complète des services de renseignement qui n'ont pas vu ce mouvement arrivé, qui ont été pris par surprise. Et s'il y a vraiment une chose que la police n'aime pas, c'est être pris par surprise. Et donc là, effectivement, vous avez raison, les unités habituelles du maintien de l'ordre, hein, CRS, gendarmes mobiles, n'étaient pas suffisantes. Et donc, on a appelé, on a ramené tous les directeurs départementaux, vous le diront, on a ramené tout ce qu'on pouvait réunir comme policiers de services actifs, de police urbaine, et notamment tous les policiers qui sont habitués à faire de la violence urbaine, comme ils le disent, avec les armes, les techniques, les manières de faire en banlieue. Et subitement, on a vu dans les centres-villes des armements tels que le lanceur de balles de défense, 13 400 tirs de munitions durant tout le mouvement des Gilets jaunes. On a vu des petites escouades de policiers. Anthony Caillé parlait, ce sont des policiers qui font du saut de dessus, donc le terme est juste, qui en plus avaient des problèmes de coordination avec l'ensemble des dispositifs, etc. Et donc, d'une certaine manière, oui, à l'occasion de ce mouvement à tous égards assez exceptionnel, eh bien, subitement, une manière de faire la police à la périphérie s'est vue transportée dans les centres-villes au vu et au su de tout le monde. Et ça explique aussi d'ailleurs pourquoi aujourd'hui peut-être s'ouvre une fenêtre d'opportunité pour discuter sur la place publique des questions de police, parce que au fond, la France a été saisie de ce phénomène, cette fois-ci sans exception, j'ai envie de dire. Alors, effectivement, les groupes de Gilets jaunes ont permis aussi de faire des violences policières un sujet, puisque ce sont également les mots du journaliste David Dufresne. À partir de janvier 2018, les violences policières, en tout cas à partir du moment des Gilets jaunes, ça devient réellement un sujet pour les médias.
Un dernier mot peut-être, Anthony Caillé, puis Boubacar Dramé, mais Anthony Caillé, justement, est-ce que en interne, vous sentez aussi que quelque chose bouge un peu? C'est-à-dire, pas seulement sur l'avancée du déni, mais on sait que les syndicats de police, alors qu'ils ne sont pas le vôtre, mais notamment Alliance Police Nationale et SGPFO sont très forts, et verrouillent aussi une partie du discours, mais est-ce qu'il y a quand même une envie ou un sentiment de vouloir faire mieux, et en tout cas de vouloir dépasser ces pratiques brutales, à la fois dans les quartiers populaires, mais aussi en ruralité, mais aussi dans les missions de maintien de l'ordre, ou est-ce que ça vous semble pour l'instant verrouillé ? Alors, c'est ouais, pour une envie, je pense que elle est peut-être là, mais en tout cas, c'est très compliqué. Le sentiment, oui, ça c'est clair. Moi, il y a beaucoup de collègues de tout grade, hein, que ce soit des gardiens de la paix ou des hiérarques policiers, qui me disent aujourd'hui, Anthony, le travail qu'on fait, il est pas beau. Il y a beaucoup de collègues qui me disent, moi, aujourd'hui, j'ai honte d'être policier. Maintenant, de dire, il faut dépasser ça et il faut. Mais pour ça, il faut procurer un espace de sécurité pour le policier pour qu'il puisse effectivement s'exprimer. Aujourd'hui, on ne peut pas. On est soumis à tellement de textes répressifs. Le policier, hein, je parle entre le code de sécurité intérieure et, les différents, enfin le dernier code de déontologie, qui fait qu'aujourd'hui le policier n'a aucun espace qui lui est proposé pour effectivement mettre en exergue des situations qu'il trouverait préoccupantes. Ou des situations complètement, effectivement, marginales et qui ne doivent pas avoir cours dans notre profession. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je vous donne un exemple hein, très concret. Le policier qui a lancé l'alerte sur l'affaire Geneviève Legay, il a pris 24 mois d'exclusion temporaire de fonction et il a pris 5 mois avec sursis au tribunal judiciaire pour avoir, effectivement, dénoncer des faits extrêmement graves. Exactement, pour avoir sorti des procès-verbaux. Et donc, à ce motif-là, l'administration, moi j'étais présent au conseil de discipline, je ne vais pas trahir le conseil de discipline, mais voilà, l'administration n'a, entre guillemets, rien à lui reprocher sur le fait qu'il ait lancé l'alerte. Mais par contre, sur le reste, voilà. C'est donc une forme d'intimidation d'une certaine manière. Je suis désolée, on arrive au terme de cette émission, mais Boubacar Dramé, moi j'aimerais vous laisser le mot de la fin, d'une certaine manière, puisque j'aimerais savoir si pour vous, il y a un espoir, ou en tout cas, est-ce que le fait que, à la fois, les Gilets jaunes aient fait éclater, d'une certaine manière, aux yeux de beaucoup de gens qui ne savaient pas ce qu'étaient des violences policières, cet état de fait, mais aussi le fait que les familles de victimes de violences graves, notamment des personnes qui décèdent sous les coups de brutalité policière, s'organisent, est-ce que ça vous paraît utile, en tout cas, est-ce que ça fait pression dans le bon sens pour faire de cette question, non pas seulement une question de confiance entre police et population, mais une question qui va concerner y compris l'institution policière. En gros, est-ce que ça suffit pour faire bouger un petit peu tout ce monde-là? C'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas dans le sens où le reste dépend aussi de ceux qui sont au pouvoir. Et c'est clair que c'est des faits qui sont inconfortables. Et c'est pour ça que les policiers qui dénoncent des choses qui sont anormales sont mis en difficulté. Mais si on voulait justement une relation apaisée, il faudrait savoir protéger ces personnes qui signalent des dysfonctionnements. Le fait qu'il y ait des gens qui se mobilisent, que le débat aussi soit présent, que le débat public soit aussi intense, bah c'est important parce que ça permet aussi de montrer certaines réalités. Il y a des gens pour qui tout ça c'est abstrait. Ce qui a été réservé avant aux minorités, aux gens des quartiers populaires, maintenant ça s'exerce aussi dans les centres-villes, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients. Et c'est tous ensemble qu'on fait société. Donc si on veut que ça avance réellement, il faut arrêter le déni. Le président, en 2017, il disait « ne parlez pas de répression ou de violence policière, si je ne me trompe pas ». Si je ne me trompe pas, c'était en 2017. 2019. En 2019, pardon. Ok, il était déjà président, donc. Et là, au mois de décembre, il a quand même admis que il y avait des problèmes dans la police. Donc au niveau de la com, ça évolue. Maintenant, au niveau des actes aussi, il faut que ça évolue. Les effets d'annonce, ça ne suffit pas. Pour être assuré, ça ne suffit pas. Tout ce qu'on veut, c'est d'être en sécurité, tout simplement. Et puis voilà. Merci à vous, Boubacar Dramé. Je rappelle que vous êtes ancien médiateur de la ville de Gennevilliers. Merci également à nos deux autres invités qui nous ont fait l'amitié de venir discuter de ces questions délicates. Fabien Jobard, chercheur au CNRS, mais également Anthony Caillé, à distance, policier, enquêteur judiciaire et membre de la CGT intérieure. Et puis
Merci à vous toutes et tous d'avoir été là, à nous avoir écoutés. Vous pouvez rester avec nous, vous devez même rester avec nous pour la deuxième partie de cette soirée spéciale face au Beauvau. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions dans cette seconde partie consacrée au décryptage de ce texte touffu, voilà, je pense qu'on peut le dire, et vous pourrez poster toutes vos questions, vos réactions sur le fil Twitch. Je vous rappelle que cette émission vous est proposée par la coordination Stop Loi Sécurité Globale. Allez voir sur leur site si vous voulez en savoir plus sur leurs propositions. Et puis, vous pouvez bien sûr suivre et je pense revoir cette émission. Alors d'abord en direct sur Twitch, YouTube, Le Média et Peertube. Et puis ensuite en replay et en podcast également sur Radio Parleur. Très bientôt, je vous souhaite une excellente soirée. Restez avec nous. L'article 22 de la loi Sécurité Globale permet à la police l'utilisation de drones dans le cadre de différentes missions allant de la prévention des actes de terrorisme jusqu'à la gestion des foules dans le cadre de manifestations. D'ailleurs, le fait que l'on envisage l'utilisation de drones dans le cadre du maintien de l'ordre à l'occasion de manifestations sur la voie publique en dit long sur la conception qu'ont désormais nos gouvernants de ces manifestations. Le fait de manifester n'est plus une expression d'une opinion normale, acceptable, même souhaitable en démocratie, mais un acte hostile qu'il faudrait à tout prix contenir, voire même empêcher. La manifestation est vue comme une foule qu'il faudrait contenir, tenir loin, et dont il faudrait absolument identifier les participants, comment on identifierait finalement des simples délinquants. En effet, les drones seront équipés de caméras couplées à la reconnaissance faciale qui permettront l'identification en direct des personnes participant aux manifestations. On saura donc en direct, lorsque vous souhaiterez participer à une manifestation, on pourra y compris de ce fait vous contrôler de manière préventive avant que vous accédiez à cette manifestation. On pourra savoir avec qui vous manifestez, on pourra savoir également dans quel cortège vous manifestez. Ces données pourront être exploitées en direct. Elles pourront également être utilisées et recueillies dans des fichiers de police permettant le fichage des participants à ces manifestations en fonction de leurs opinions. Il n'y a là aucune exagération de notre part puisque précisément le gouvernement a pris une série de décrets le 2 décembre dernier réformant un certain nombre de fichiers administratifs permettant désormais le fichage des personnes en fonction de leurs opinions politiques, syndicales et même religieuses. Et pour permettre ce fichage, on pourra désormais, ce qui était jusqu'à présent exclu, utiliser les données issues de la reconnaissance faciale. On a donc des drones qui permettent d'identifier les participants aux manifestations et des fichiers permettant de ficher ces participants en fonction de leurs opinions. On n'est pas dans un livre d'Orwell, on n'est pas dans un régime autoritaire dans un pays loin d'ici, on est ici, en France, en 2020. Elle organise le transfert par l'État d'une partie de ses prérogatives régaliennes au profit de sociétés privées. On privatise, au bénéfice de certains, la sécurité qui devrait être l'affaire de tous. C'est un axiome de dire que les sociétés de sécurité privée ne protègent que des intérêts d'ordre privé. C'est un axiome de dire qu'une nouvelle fois, on va offrir aux plus riches une protection au détriment des plus pauvres. J'en veux pour exemple le fait que le code pénal va assimiler certaines infractions commises au préjudice des agents de sécurité privée à des infractions commises au préjudice de policiers, de magistrats ou d'autres fonctionnaires qui exercent des missions d'intérêt général. Je m'explique. Quand vous avez une parole désagréable à l'encontre d'un policier, on qualifie ça d'outrage. C'est pénalement répréhensible. Eh bien, désormais, si vous avez la même parole à l'encontre d'un agent de sécurité privée, vous pourrez être poursuivi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on assimile, on fait un parallélisme entre la sécurité privée et les autres forces de sécurité qui, elles, préservent l'intérêt général. Or, l'agent de sécurité privée, il n'a pas de rôle de préservation d'intérêt social, il n'a pas de rôle de protection de l'intérêt général. C'est une manière de sacraliser la sécurité privée qui ne va protéger que certains intérêts et de l'assimiler à des missions d'ordre général. Vous augmentez ainsi les risques d'exposition à l'arbitraire puisque quelqu'un qui respecte, qui ne suit qu'un intérêt d'ordre privé pourra vous dire ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire. C'est une vraie atteinte au pacte républicain, puisque ces sociétés privées détenues par une minorité de riches
vont décider de ce que la majorité pourra faire ou ne pas faire. Et à tous. Alors, je suis vraiment très content de vous retrouver pour cette deuxième partie de soirée, une deuxième partie dans laquelle on va décrypter la loi Sécurité Globale, une proposition de loi adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale par 388 voix pour et 104 voix contre, et qui doit désormais être examinée par le Sénat. Alors, avec nous, autour de la table, trois invités. Sarah Massoud, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Super. Vous êtes magistrate, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature et vous êtes également très impliquée dans la mobilisation contre ce projet de loi. En face, Martin Méchin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir sur ce plateau. Vous êtes avocat pénaliste et au barreau de Paris oui. Et membre de la Black Robe Brigade, un oui. groupe d'avocats très en colère. C'est ça. On peut le dire comme ça. Donc merci à vous d'être là. Avec vous, on va notamment parler de l'article 24. À côté, Arthur Messot, vous êtes juriste à la Quadrature du Net, une association de défense et de promotion des droits et libertés sur Internet, créée en 2008, qui a notamment combattu la loi Hadopi. Vous êtes un habitué, vous, de ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien tous les trois ? Très bien, merci. Alors, on va parler ensemble de ce projet de loi. Vous qui nous regardez, n'oubliez pas sur les réseaux sociaux de poser vos questions durant le direct. Une équipe vous lit et sélectionne les questions les plus pertinentes. Benoît Piedalu de la coordination Stop Loi Sécurité Globale viendra en plateau nous les lire. On va ensemble s'efforcer d'y répondre le plus précisément possible. Bon, concrètement, il y a plusieurs problèmes avec cette loi. C'est ce que nous allons décrypter tous les quatre dans cette deuxième partie. On parle beaucoup évidemment de l'article 24, on va en parler tout à l'heure, mais il n'y a pas que l'article 24. En réalité, il y a beaucoup, enfin, il y a bien d'autres articles dans cette loi que vous jugez très problématiques. On parle beaucoup, enfin, on parle un petit peu des articles 21, 22, 25. On va parler des drones, on va parler de la vidéosurveillance, des entreprises privées, de la police municipale. Donc voilà, il y a eu différents avis ces derniers mois, des rapports, des experts de l'ONU même se sont exprimés. La CNIL a rendu un avis en janvier déclarant que le cadre juridique n'est pas suffisamment protecteur de la vie privée et des données personnelles. L'un des sujets dont peut-être on ne parle pas assez, c'est celui du drone. Il y a eu un avis du Conseil d'État qui demande à ce que la préfecture de police de Paris cesse la surveillance par drone des manifestations. Il faut dire, aujourd'hui à Paris, quand on manifeste, on lève la tête et des drones, on en voit tout le temps dans le ciel. Ça, c'est un des enjeux de la loi. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de cadre législatif clair concernant les drones. Arthur Messot. Ah, si, le cadre est très clair, hein, ils sont interdits. On a d'abord une décision, enfin on a deux décisions du Conseil d'État qui interdit à Paris le déploiement de drones. Et ensuite, on a une décision de la CNIL qui généralise à tout le territoire cette pratique de surveillance. Donc c'est très clairement, le cadre est très clair. Et la police, de façon très classique, viole la loi dans la mesure où personne peut imposer la loi à la police par la force. Hein. Et juste pour prendre ce cas du drone et le généraliser vers la discussion et peut-être faire un pont avec la discussion précédente, où il était question en fait, de réformer la police vers une police plus respectueuse de liberté. Ce qu'on voit avec le drone qui serait autorisé, cet nouvel appareil, cette nouvelle façon de surveiller, c'est qu'en fait, la réforme de la police, elle a lieu aujourd'hui, en ce moment même. Elle ne va pas dans le sens d'une police plus respectueuse de la population et moins violente. Elle va dans le sens d'une police plus armée avec des appareils de surveillance, plus armée pour se défendre, plus armée, on le verra aussi, pour faire sa propagande avec tout un système de caméras qui vont pouvoir être diffusées par la police. Donc on assiste actuellement à une réforme de la police qui est assumée, qui est une réforme à droite, contrairement à la réforme à gauche qui était imaginée et espérée dans la première partie de l'émission. Et elle est là, elle va durer longtemps d'après le gouvernement, d'après Darmanin, qui prévoit qu'au moins jusqu'à 2024, il faudra régulièrement refaire des nouvelles lois pour renforcer les pouvoirs de la police, notamment d'un point de vue technologique. Et le drone, tant mieux si on en fait un peu un symbole de cette réforme, parce que c'est vraiment un bon symbole, on reverra pourquoi. C'est des changements de paradigme dans la façon dont la police surveille ou maintient l'ordre vis-à-vis de la population. Quand on parle de vidéosurveillance, on va aussi parler tout à l'heure des caméras piétons, mais vous, à la Quadrature, vous parlez notamment d'augmentation des flux vidéo en temps réel reçus par la police. C'est en fait un peu le fond du sujet quand on parle aujourd'hui des caméras piétons ou du drone. Il faut voir qu'on a l'impression que le sujet de la vidéosurveillance, c'est un vieux sujet lointain. Alors en France, c'est en 1995 qu'on autorise les caméras, mais en fait, il n'y en a pas énormément. Au début, dans les premières années, il y a assez peu de caméras. On va dire que
vers les années 2010, il y a 10 000 caméras qui ont été déployées depuis 1995. Ce n'est pas énorme. Aujourd'hui, il y en aurait plutôt 35 000. En fait, c'est un mouvement, la surveillance par les caméras dans la rue, on pense à un vieux truc, mais en fait, c'est un mouvement qui est actuel. On est déjà dans une accélération du nombre de caméras dans la ville, dans les villages, dans les cités, et c'est un sujet tout à fait actuel par la police. Et les drones, ça rajoute par-dessus une nouvelle façon de déployer des vidéos, de la vidéosurveillance. Les caméras embarquées, donc c'est des espèces de petites GoPro que chaque brigade de la police et de la gendarmerie serait équipée d'après Macron d'ici quelques mois. Tout ça vient s'ajouter à un appareil qui est déjà en accélération, qui est l'appareil de la vidéosurveillance qu'on voit partout dans les rues, mais qui a une différence fondamentale, c'est que les drones, comme les caméras embarquées, comme les hélicoptères, hein, qui sont aussi illégaux, tout ça, c'est des caméras mobiles, c'est des caméras mouvantes, avec une singularité qui fait qu'elles sont complètement illégales et inconstitutionnelles d'après nous, c'est qu'on ne peut pas à l'avance prévenir la population qu'elle va être filmée. On ne peut pas informer, même au moment où ils sont filmés, on ne peut pas informer les gens qui sont filmés et que du coup ils peuvent éventuellement quitter le lieu surveillé s'ils veulent se prémunir. Et pire, aucune autorité indépendante, par exemple un juge ou un comité de surveillance comme il existe pour la vidéoprotection classique, aucune autorité indépendante ne peut s'assurer avant que la vidéo soit prise qu'elle soit légale, qu'elle soit proportionnelle, qu'elle soit nécessaire. En fait, quand la police balance un drone ou qu'on envoie un agent avec une caméra, c'est qu'il n'y a que la police qui décide qui est-ce qui va être filmé, pourquoi. Donc on a une rupture totale de l'équilibre des pouvoirs, puisque la police n'a plus aucun contre-pouvoir pour choisir qui surveiller et quand, et elle est laissée complètement maître de la surveillance qu'elle va déployer. Et ça, c'est une réforme fondamentale de la police où on évince de façon radicale, par la technologie, tout contre-pouvoir possible. Mais quand même, Martin Méchain, Arthur nous parle de l'aspect légal, nous parle aussi du contre-pouvoir de la police, etc. Mais le fond du problème, notamment d'ordre moral, enfin, quel est le problème exactement du drone, de la vidéosurveillance? J'ai envie de me faire l'avocat du diable. C'est une formule qu'on entend souvent quand on parle de vidéosurveillance. Si on n'a rien à se reprocher, c'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est tout simplement que la surveillance ne se justifie que dans certains cas particuliers et que si il n'y a pas de raison particulière d'être surveillé, pourquoi on serait surveillé? Je retourne le problème. C'est que moi, j'ai rien à me reprocher, pourquoi je serais surveillé? En fait, c'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est pas dans le sens inverse. C'est pas, il y a un pouvoir de surveillance qui est général et global, et c'est seulement les gens qui ont quelque chose à se reprocher qui sont gênés. Non, c'est l'inverse. C'est moi, j'ai rien à me reprocher, j'ai pas à être surveillé par l'État, à tout moment, à tout endroit, sans que je le sache. C'était exactement ce qu'il disait. C'est-à-dire que, contrairement aux caméras qui sont fixées, où on sait, à la limite, où est-ce qu'il y a une caméra, quelle partie est surveillée, les caméras mobiles, les drones, les caméras piétons, on ne sait pas qu'on est surveillé en réalité. Et donc c'est ça le problème. Mais les règles encadrant l'usage par les policiers et gendarmes des caméras piétons aussi sont revues, parce qu'on parle beaucoup du drone, mais il y a aussi la question des caméras piétons. Il s'agit donc de petites caméras pour équiper la police. Celles-ci, elles doivent être généralisées, on dit, d'ici juillet 2021. Les images, elles pourront être transmises en direct au poste de commandement si la sécurité des agents ou des biens des personnes est menacée. Les policiers nationaux, municipaux et les gendarmes également sur le terrain pourront accéder directement à leurs enregistrements, sous certaines limites, bien sûr. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Ces images pourront être utilisées pour l'information du public sur les circonstances de l'intervention. Mais là encore, pour vous, pour la quadrature du net, vous dites que ça ne va pas. – Il y a beaucoup de choses à dire vraiment, vraiment intéressantes. Hein. Ces caméras-là, ces caméras embarquées, ça fait longtemps que vous en entendez parler, je pense. À la base, ça faisait partie des mesures pour réformer la police plutôt vers la gauche, pour la réformer vers plus de protection. Et c'était une des alternatives aux récépissés. En fait, l'idée, c'était que dès qu'il y avait une intervention, la police filmerait l'intervention elle-même pour limiter les abus. Ce serait une façon de… Elle se auto-limiterait parce qu'elle se surveillerait elle-même. Bon, ça n'a jamais eu cet effet-là. Hein. Ça, c'est une chose qui a été vendue par la gauche. Donc, on a équipé quelques policiers de ces caméras-là. Ça n'a jamais eu le moindre effet pour diminuer les abus policiers, ou alors qu'on l'éprouve. Hein, mais bon, jamais personne n'a fait une étude qui allait dans ce sens-là satisfaisante. Et en fait, on voit qu'à chaque fois, en tout cas en matière de technologie, à chaque fois qu'on prétend faire des réformes pour limiter les pouvoirs de la police, en fait, l'outil qu'on va utiliser pour limiter les pouvoirs de la police vont être, quelques années plus tard, renversés pour augmenter les pouvoirs de la police. Et les mêmes caméras qu'on avait mis, soi-disant, pour auto-surveiller les policiers, maintenant sont retournées pour surveiller la population de façon constante. Parce que là, il n'est plus du tout question de surveiller les interventions pour en limiter les abus. Il est question, en fait, que dès qu'il y a un trouble, typiquement en manifestation, c'est-à-dire pendant tout le long de la manifestation, la police pourra utiliser les caméras. De un, pour surveiller, et de deux, et c'est là où on assiste pour moi à une des réformes les plus spectaculaires de la police, pour informer le public
des activités de la police. La police n'est plus seulement là pour faire respecter la loi ou pour, je ne sais pas, ou pour maintenir l'ordre à une manifestation. Elle est aussi là pour avoir un discours public, partager une idéologie. Bon, je ne vois pas comment appeler ça autrement. C'est comme ça que Fauvergue, qui est le rapporteur de la loi sécurité globale, le défend à l'Assemblée nationale. C'est l'ancien chef du RAID. Lui, il dit on doit pouvoir tenir un discours à la population pour contredire les islamo-gauchistes, alors je ne sais plus s'ils les appelaient comme ça, mais c'est ça qu'il avait en tête, qui constamment nous critiquent, montrent des images à charge de policiers. Et vraiment, la police, ou en tout cas Fauvergue et les personnes qui défendent cette loi, veulent que la police puisse porter une idéologie avec des images derrière. Et ces caméras-là, qui à la base, je le rappelle, avaient pour but de limiter la police, vont devenir un outil de surveillance et de propagande idéologique. Donc qu'est-ce qu'on a à faire? À qui on parle? On parle à la police ou à un parti politique ou à une institution autonome qui défend ses intérêts et sa vision du monde? Qu'est-ce qui se passe? Et cette réforme-là, je pense qu'il faut la regarder en face avec la plus grande terreur. Sarah Massoud, est-ce que c'est un changement de paradigme aujourd'hui, un changement de paradigme complet peut-être avec l'usage de la vidéosurveillance telle qu'elle était faite jusque-là? Je pense qu'avec ce texte, on passe véritablement une étape supérieure dans une fuite en avant sécuritaire. Peut-être d'un point de vue peut-être un peu historique, parce qu'on est focalisé quand même sur ce texte, mais je pense que c'était déjà en préparation. On parle beaucoup de basculement, de renversement avec cette proposition de loi sécurité globale que nous, syndicats de la magistrature, on appelle d'abord, prioritairement un texte sur la police globale, parce que c'est vraiment, on rentre véritablement dans un état de police, même on pourrait même utiliser le terme police au pluriel. Mais je pense que le véritable basculement, il a eu lieu en 2015. Il y a eu lieu où il y avait tous ces dispositifs également de surveillance, de dispositifs également extrêmement répressifs, avec des outils entre les mains de la police, des polices. Et au moment où on a déclaré l'état d'urgence dit antiterroriste, ça a permis à l'État de créer un laboratoire, d'expérimenter tout un tas de dispositifs qui sont pour certaines dans ce texte sécurité globale et qui aujourd'hui sont renforcés, consolidés, alors qu'au départ, ils étaient censés être normalement censés être exceptionnels et transitoires. Et on a eu la loi de 2007 qui a pérennisé l'état d'urgence antiterroriste. Et ensuite, au nom de la lutte antiterroriste, eh bien, est entré dans le droit commun tout un tas de dispositifs, et notamment des périmètres de protection, des palpations de sécurité, des surveillances de la voie publique, des relevés d'identité qui ont été permis pour les agents de sécurité privée, pour les policiers municipaux. Et ça, au nom de la lutte contre le terrorisme, ça a été pérennisé et mis dans le droit commun. Et puis au fur et à mesure, on avance, 2018, 2019, il y a les mobilisations, la loi sur le travail, les manifestations du 1er mai, les manifestations du Gilet jaune. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a utilisé ces dispositifs de l'état d'urgence antiterroriste à des fins de répression des mobilisations sociales. Et aujourd'hui, la sécurité globale, ce texte vient renforcer des dispositifs qui étaient déjà pérennisés et mis dans le droit commun. Et notamment avec des dispositions sur la surveillance du masse, des dispositions avec cet article 24, et surtout des dispositions dont on parle assez peu, et qui sont extrêmement liberticides, et en plus assez techniques, donc compliquées pour les gens à comprendre, parce que c'est assez aride d'aller décortiquer les compétences de telle ou telle force de l'ordre, avec des dispositions qui concernent la sécurité privée et des dispositions qui concernent la police municipale, qui sont, faut pas avoir peur des mots, hein, qui sont extrêmement liberticides, avec un renforcement considérable des pouvoirs des polices municipales et un renforcement considérable, même s'il y a des dispositions pour assainir le secteur de la sécurité privée, ça s'accompagne quand même d'un renforcement des pouvoirs des agents de sécurité privée. Donc vous avez aujourd'hui un panel de forces de l'ordre. Vous avez la gendarmerie nationale, la police nationale, la police municipale, les agents de sécurité privée. Et quand on fait la somme de toutes ces forces de l'ordre, on arrive quasiment à 500 000 agents qui sont disponibles pour l'État français. Ça signifie quoi, 500 000 agents? Un demi-million d'agents de forces de l'ordre en France. Nous sommes l'État de l'Union européenne qui avons le plus de policiers et d'agents de forces de l'ordre dans l'Union européenne. C'est énorme, énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un état de police, avec des pouvoirs et des prérogatives qui sont sans cesse renforcés. Et surtout, et ce qui est grave, mais on va très certainement en parler un peu plus en détail, avec un brouillage des missions. C'est-à-dire que la police municipale et la gendarmerie nationale, ils sont formés. Ils ont des missions régaliennes. Ce sont des polices de la République.
Aujourd'hui, on va donner des pouvoirs de la police, à la police municipale qui, normalement, étaient du ressort de la police judiciaire, qui n'étaient pas du tout du ressort des policiers municipaux, qui sont là pour aider à la tranquillité publique et la salubrité publique, pour être dans la proximité avec les habitants, normalement, dans les textes. Et aujourd'hui, vous allez avoir des policiers municipaux qui vont avoir des pouvoirs d'interpellation, qui vont avoir des pouvoirs de constatation de délits, et puis de délits pas anodins, hein, des délits qui sont sensibles, qui normalement amènent une certaine connaissance de la procédure pénale. Et puis pire encore, vous allez avoir des agents de sécurité privée, des vigiles, qui ne sont pas formés pour. Qui ne sont, alors là pour le coup, absolument pas formés pour, qui vont avoir des prérogatives également pour fouiller vos bagages, faire des palpations de sécurité, effectuer des missions de surveillance de l'espace public. Donc on assiste véritablement à un brouillage des missions entre police privée et police publique, pour schématiser. Et donc, avec en plus des différences sur le territoire, parce que vous savez que la police municipale dépend des maires, alors à la différence de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et qu'en fonction de la couleur politique des maires, en fonction de certaines orientations électoralistes, eh bien, va y avoir forcément, ça va renforcer les risques de clientélisme, en sachant que, quand même, et c'est important que les auditeurs l'entendent, c'est que dans certaines villes, il y a plus de police municipale que de police nationale. Donc c'est dire les conséquences que ça va avoir sur la vie des gens, sur la vie des gens et sur l'espace public. Mais quoi, ça signifie qu'il y aura un cadre national tout de même pour gérer ces polices municipales ou pas? Le fait que chacune soit gérée sous l'autorité d'un maire, ça va créer des disparités très fortes entre territoires? C'est-à-dire que l'offre de sécurité ne sera pas la même en fonction des territoires. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a relevé la défenseure des droits dans son avis sur ce texte sécurité globale, c'est-à-dire qu'il va y avoir une inégalité de traitement, une inégalité devant la loi, selon que l'on habite en Seine-Saint-Denis ou en Seine-Maritime, ou bien dans le sud de la France, où les policiers municipaux sont connus, notamment à Nice, dans certaines localités qu'on connaît bien, hein, qui sont dirigées par des hommes d'extrême droite, qui se prennent d'ailleurs très souvent d'ailleurs pour des shérifs. Eh bien, l'on voit bien que l'offre de sécurité ne sera pas la même en fonction des territoires. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de l'étiquette politique du maire? Donc on parlait de propagande politique. Donc on voit bien que, c'est pour ça que je me suis permise de revenir sur l'état d'urgence antiterroriste, parce qu'on voit bien que derrière, ce ne sont pas que des dispositions techniques, ce n'est pas qu'un texte qui est voulu par un corps. C'est un texte qui est voulu sur fond d'une certaine idéologie, une idéologie extrêmement sécuritaire, et qui va concerner la vie des gens. Alors là, on parlait de surveillance, mais qui va concerner aussi votre liberté d'aller et venir dans tel et tel espace public, la liberté également ou pas de pouvoir avoir affaire à tel ou tel agent pour assurer la sécurité de ses enfants. Enfin bref, c'est le quotidien des gens qui est impacté par ce texte. – Martin Méchin, ça signifie que certains territoires, certaines communes peuvent aussi devenir des laboratoires de politique sécuritaire ?– Ouais, je pense que c'est déjà le cas en réalité. Et effectivement, Sarah Massoud citait des villes, notamment dans le sud de la France, alors elle citait Nice, on peut citer Béziers, mais voilà, on a des municipalités très marquées politiquement, qui ont une police municipale qui en réalité est extrêmement puissante. Et effectivement, alors moi je n'ai pas les chiffres, mais c'est assez intéressant de se rendre compte que dans certaines villes, il y a plus de policiers municipaux que de policiers nationaux, parce qu'en réalité, c'est une vraie puissance qui est donnée au maire, et le maire, ça reste… malgré tout un homme politique, ça reste quelqu'un qui a une couleur politique et qui est une couleur politique qui est locale. Et il est extrêmement important pourtant d'avoir une politique nationale, d'avoir quelque chose qui fait sens au niveau de la société, au niveau national. Et c'est vrai que cet accroissement des pouvoirs des polices municipales est extrêmement inquiétant. Alors peut-être que dans certaines villes, ça se passera très bien et les polices municipales seront très bien gérées, mais en réalité, on n'a aucune visibilité, on n'a aucune garantie, et la formation, c'est aussi un problème. Alors on ne va peut-être pas revenir en détail sur la formation des policiers, mais déjà, il y a, je pense, des problèmes de formation pour la police nationale, il y a évidemment des problèmes de formation au sein de la police municipale, et encore plus, c'est ce que disait Sarah Massoud, sur les agents de surveillance. Donc en réalité, c'est un délitement peut-être des compétences, et des compétences matérielles, hein, des compétences sur le terrain des policiers, et en réalité c'est ça qui est problématique. Alors d'abord pour assurer la sécurité des citoyens, mais c'est aussi problématique au niveau des libertés, parce qu'en réalité, les libertés
libertés, elles sont protégées par des policiers ou des gendarmes qui connaissent le droit, qui savent ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, les procédures, comment ils doivent les mener, comment ils ne peuvent pas les mener. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est la base en fait des libertés. C'est que le citoyen, et on en revient sur ce qui était dit lors du premier débat, le citoyen, il va avoir confiance dans sa police s'il sait que la police va agir conformément aux règles, conformément aux lois, à condition que ces lois ne soient pas trop liberticides, parce qu'effectivement, on peut aussi agir conformément aux lois, si les lois sont liberticides, ça pose un problème. Mais ça, c'est encore, ça c'est un problème plus global de politique. Mais rien que sur l'application des lois en tant que telles, déjà, on a des problèmes, alors, qui existent déjà au sens de la police nationale, hein, on a des services de police qui n'appliquent pas les lois ou qui les appliquent mal. Quand Boubacar Dramé expliquait les contrôles d'identité, mais c'est tellement ça, c'est une réalité, c'est hallucinant, en fait, de se rendre compte à quel point, moi, je n'ai pas grandi dans un quartier et je ne suis pas noir. Je n'ai jamais été contrôlé de ma vie. Jamais. Je n'ai jamais fait l'objet d'un contrôle d'identité comme ça, gratos. Voilà, comme Boubacar qui l'a fait, qui l'a expérimenté à partir de 11 ans. C'est incroyable. Jamais de votre vie, jamais un contrôle. Jamais, contrôle routier, mais jamais un contrôle au hasard comme ça dans la rue. J'habite en... Enfin, voilà. Et en réalité... Je suis en basket et en survêt, hein, mais... Ouais. Ça suffit pas. Moi, je l'ai été. Ouais. Et parce que je suis basanée. Ça se voit pas avec la bah, oui, mais enfin, je sais pas si je fais. Il faut faire une corrélation entre les deux. Mais j'ai été l'objet d'un contrôle d'identité, comme par hasard, alors que je suis métisse. Et les contrôles réalisés dans les quartiers, ce que disait Boubacar tout à l'heure, c'est des contrôles qui sont illégaux. Enfin, je veux dire, faut dire les choses. C'est même pas que c'est des contrôles aux faciès. Ça, c'est encore une problématique qui s'ajoute. Il y a une problématique raciste derrière, mais. À la base, ce sont des contrôles illégaux parce que les policiers ne peuvent pas contrôler n'importe qui, n'importe quand. Il y a des règles à respecter. Il y a un code de procédure pénale qui prévoit que vous pouvez contrôler un individu si, oui, il y a des indices de penser que peut-être il est en train de commettre une infraction ou qu'il va commettre une infraction, ou si vous avez des réquisitions qui vous autorisent sur une période durée et sur un lieu déterminé à contrôler. Mais sinon, vous n'avez pas le droit, les policiers n'ont pas le droit de contrôler gratuitement. C'est même pas une question de contrôle aux faciès. C'est interdit, tout simplement. – Ça, justement, du coup, Sarah Massoud, c'est devenu un des enjeux de cette loi Sécurité Globale, celui de la sous-traitance. Là, on parle beaucoup, donc on parle de la police municipale. Vous avez mentionné aussi la question de la sécurité privée. Ça, aujourd'hui, on est dans une situation où le gouvernement pourra être habilité à prendre des ordonnances dans le domaine de la sécurité privée. Et ça, c'est un des enjeux. – Dans le domaine de l'encadrement, de la composition de certaines commissions… sur la composition de certaines sociétés, sur la formation, eh bien, tout cela, ce sera le gouvernement qui va être autorisé à réglementer tout ce secteur-là par ordonnance. Et on voit bien aussi que c'est un secteur qui brasse énormément d'argent. On parle de milliards d'euros. Il y a un véritable marché. C'est dès là que là, on voit bien que la sécurité, c'est devenu un service du marché. C'est devenu une prestation. C'est-à-dire que ça n'est plus un service public à destination de la population. C'est devenu une marchandise. Peut-être des policiers pourront faire des heures sup en dehors de leurs horaires dans le privé. Ah bah, complètement. Alors, en sachant que par ailleurs, c'est un secteur qui est extrêmement touché par la précarité des emplois, et d'ailleurs, il est prévu des dispositions pour prévoir des sous-traitances. Il avait été prévu dans le premier rapport de Fauvergue, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce texte, il est beaucoup plus ancien que l'on ne le pense. C'est-à-dire que Fauvergue et Thériault, les deux rapporteurs de ce texte, avaient rédigé un premier rapport sur cette fameuse notion de sécurité globale et avaient rédigé une première proposition de loi qui était un peu moins dure que celle qui est aujourd'hui à l'examen devant le Parlement. Et, on précise que c'est un ancien policier du RAID, notamment. C'est l'ancien chef du RAID, voilà. Jean-Michel Fauvergue. Jean-Michel Fauvergue qui, par ailleurs, en parallèle, mais il y a toujours des hasards au calendrier, présidait par ailleurs la commission d'enquête sur le maintien de l'ordre. Vous y verrez le hasard que chacun voudra y voir. Mais tout ça pour vous dire que tout ça est extrêmement pensé et ce secteur privé, il est primordial dans cette idéologie du continuum de sécurité. Et il ne s'en cache absolument pas. Monsieur Fauvergue, lorsqu'il défend le renforcement des pouvoirs de la sécurité privée, il dit que de toute façon, nous en aurons besoin dans le cadre de la Coupe du monde de rugby et on en aura besoin pour les Jeux olympiques de 2024. C'est-à-dire donc c'est totalement ce projet assumé. C'est un avec service. Les JO de Paris 2024. C'est-à-dire, il va y avoir les JO et comme de toute façon, on ne va pas renforcer la police nationale et que de toute façon, la police nationale, mais non, ce ne sont pas ses missions que de faire de simples palpations de sécurité, des fouilles de bagages,
voyages et des relevés d'identité et des missions de surveillance aux abords de certains endroits qu'ils vont considérer comme sensibles. Du coup, on va déléguer des missions de police judiciaire. On parle des missions de police judiciaire. C'est-à-dire que faire des palpations de sécurité, constater des infractions, surveiller des personnes armées, parce que les agents de sécurité, ils sont autorisés à porter des armes, hein, je vous le dis, comme les policiers municipaux. Hein. Je vous le dis au passage, 70% des policiers municipaux sont armés aujourd'hui, 52% d'armes létales, donc c'est énorme. Donc on parle d'agents qui sont armés, là, je ne vous parle pas de personnes qui ne le sont pas. Donc du coup, c'est un marché. Ouais. Et aujourd'hui, ce texte prévoit eh bien, que certaines sociétés vont pouvoir sous-traiter pour certains dispositifs de sécurité qui ne seraient pas dans leur champ de compétences. Donc on voit bien qu'il va y avoir des responsabilités en cascade. Tout ça dans l'entre-soi, avec des règles de déontologie qui ne sont absolument pas les mêmes que celle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, avec des systèmes de commandement qui ne sont pas du tout les mêmes, et puis par ailleurs, qui ont des dispositifs de contrôle externe de l'activité de ces sociétés privées qui sont extrêmement indigents, en tous les cas, en l'état du texte. Donc vraiment, j'ai envie de dire qu'au-delà de la privatisation, on est sur presque... Je vous parlais des armes, on est presque sur une militarisation de l'espace public. Quand je dis militarisation, ce n'est pas pour faire peur, ce n'est pas un mot pour vous dire « ah là là, il va y avoir l'armée partout ». Mais non. La société en état de guerre ? Non, pas en état de guerre, une militarisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, quand on participe à des manifestations, on a toujours l'habitude aujourd'hui de décrire les policiers comme des robocops. Tellement ils sont armés avec... alors ils sont considérés comme des ennemis par les policiers. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le glissement de ce droit pénal de l'ennemi. C'est-à-dire que l'autre n'est plus vu comme un citoyen à protéger, mais est vu comme un délinquant en puissance, un terroriste en puissance, un factieux manifestant en puissance. Donc du coup, on voit bien que l'altérité dans la mission de police n'est plus bienveillante. J'ai presque l'impression d'utiliser un gros mot que d'utiliser la bienveillance quand on parle de police, mais quand même, aujourd'hui, les missions de protection ou de proximité, c'est ça. Mais tout est centré voilà, sur l'interpellation. Donc du coup, avec ce texte sur les agences de sécurité privée qui sont renforcées avec des possibilités de sous-traitance à deuxième rang, avec des possibilités également... de procéder à des missions de surveillance de l'espace public, c'est extrêmement dangereux. C'est pas pour faire peur hein, qu'aujourd'hui on vous dit ça. C'est extrêmement dangereux. Au-delà de la question philosophique, dans quelle société on veut vivre, est-ce que véritablement on veut que les habitants, les citoyens, nos enfants soient surveillés par des agents de sécurité privée. Au-delà de ce paradigme idéologique, je pense que c'est dangereux. Et juste un dernier point, sinon je vais oublier. On parlait de la formation tout à l'heure. Il était prévu dans l'avant-proposition de loi, il était prévu la création d'une école nationale de la police municipale. Ça a été abandonné. Cette disposition a été abandonnée. Et il y a différents amendements qui ont été déposés pour au moins, au minimum, prévoir une formation supplémentaire en matière de maniement des armes pour les policiers municipaux qui maintenant vont pouvoir constater pléthore de délits. Eh bien, y compris cet amendement pour augmenter de quelques heures la formation des policiers municipaux dans le maniement des armes, eh bien cet amendement a été rejeté. Pas d'école, pas de formation supplémentaire, et des armes, avec des sacrées armes. Hein. En décembre dernier, il y a encore eu l'autorisation pour les policiers municipaux d'utiliser des calibres 357 Magnum. En décembre, ça a été voté le 29 décembre, pendant que tout le monde était en vacances. Donc pour vous dire que l'armement, quand je parle de militarisation, c'est quelque chose qui est concret. Arthur, vous vouliez réagir ? Ouais. Alors, je vais reprendre les deux termes qu'a utilisé Sarah, que je trouve vraiment intéressant, c'est privatisation et militarisation, pour décrire le mouvement actuel. Alors toi, tu as parlé plutôt des humains, donc des humains agents de police, et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que nous, on retrouve le même mouvement, mais sur les objets, sur les technologies. Donc privatisation, militarisation. On a actuellement, en matière de technologie, dans les villes, surtout ce que nous appelons la technopolis, donc tous les projets de safe city, de smart city, ou aux frontières de l'Union européenne, des boîtes privés qui d'habitude font plutôt du militaire, hein, Thales, Safran, qui font des armes, hein, qui vendent des armées pour tuer les gens au final, bon, mais là, qui vendent des objets de surveillance de la population, où tout d'un coup, ben, on comprend que si on demande à des industries militaires de surveiller la population sera plutôt vue comme des ennemis que comme des personnes à protéger. Et à chaque fois, tous ces accords, toutes ces relations entre
les villes qui demandent l'aide de ces grandes entreprises vont avoir pour effet de venir mettre de l'argent public dans la recherche et développement de ces entreprises-là. Typiquement, au sein de l'Union européenne, on a publié un article aujourd'hui sur ça, que je vous invite à lire, hein, qui est comment l'Union européenne finance différents projets pour tester en fait des drones sur les migrants. On va balancer des drones en Méditerranée ou sur les parcours terrestres pour les chercher. On va évaluer à quel point les drones peuvent, en essaim, comme ça, se déplacer pour suivre des gens. Pareil avec il y a des tests de vérité, des tests de mensonges qui vont être testés sur des personnes. Bon, c'est complètement inhumain, c'est horrible. On se permet de le faire. Enfin, on se permet. L'Union européenne se permet de le faire parce que c'est des étrangers et que les étrangers, c'est juste des rats de laboratoire pour ces entreprises privées. Mais je trouve que voilà, c'est extrêmement intéressant de voir comme nous aussi, on retrouve que la militarisation se fait par les entreprises privées et c'est l'argent public qui va financer des initiatives privées militaires. Enfin, vraiment, il y a un glissement de terrain qui est ultra impressionnant. Pourquoi c'est pas l'armée qui fait ça? Pourquoi on en arrive où c'est des petites villes qui vont financer des énormes industries pour développer de la reconnaissance faciale, des drones? Il y a un vrai changement de paradigme. Et la police, la petite police nationale là-dedans, quel est encore son futur? Si ce n'est de devenir ce Robocop-là, qui sera équipé par Thales, par Safran, avec des outils de reconnaissance faciale, de réalité augmentée qui ont été testés sur des populations étrangères. Et voilà, donc c'est vraiment, il faut redouter ce futur-là très vite. Comme quoi, il n'y a pas que l'article 24. Et justement, quand même, tout de même, l'article 24, il faut en parler. Mais juste avant, un petit mot, Martin Méchin, sur l'article 25 qui autorise les membres de la police et de la gendarmerie à porter leurs armes en dehors de leur service dans les établissements recevant du public, sans possibilité de s'y opposer, autoriser un policier à assister à un concert avec son arme. Le syndicat des musiques actuelles nous dit que ça pourrait créer des mouvements de panique, par exemple, dans un festival. Demain, on ne pourra plus dire à un policier en civil armé qui ne peut pas participer à un événement public. C'est un pas de plus. En réalité, c'est incompréhensible. Alors, ça rejoint complètement ce que disait Sarah Massoud tout à l'heure sur sa part de 2015, en fait, et des lois de l'état d'urgence antiterroriste. Et en fait, à ce moment-là, la question se pose de savoir si, peut-être, s'il y avait eu des policiers armés, à ce moment-là, ils auraient pu intervenir. Mais en réalité, on s'interroge sur un événement extraordinaire, qui sort complètement de l'ordinaire et qui, heureusement, n'arrivera quasiment jamais ou très très rarement, pour faire rentrer dans le droit commun, et là pour le coup, partout, tout le temps, et ad vitam aeternam, des choses qui en réalité ne sont pas normales. Et effectivement, il est, en tout cas pour moi, incompréhensible qu'on puisse autoriser un policier à venir dans une salle de concert, ou à rentrer dans un musée, ou à venir dans un lieu public avec une arme alors qu'il n'est pas en service. Parce qu'en réalité, l'idée d'autoriser le policier, c'est l'idée que le policier, finalement, serait toujours parfait, aurait toujours un comportement irréprochable, et finalement, il a une arme, et c'est pas grave, puisqu'il est policier. Donc il va forcément faire les choses bien, de toute façon. Mais ça, c'est pas vrai, c'est pas possible, en fait, parce que les policiers, comme tout le monde, sont des êtres humains, ils peuvent boire, ils peuvent s'alcooliser, ils peuvent être violents, ils peuvent avoir des comportements qui ne sont pas acceptables. Et évidemment que quelqu'un qui n'est pas en service et qui se retrouve avec une arme, oui, il se sent tout puissant, c'est certain. – Le rapporteur de la loi dit quand même qu'il y avait 3 policiers au Bataclan qui auraient pu intervenir mais qui n'avaient pas d'armes. – Quand bien même, on part sur un événement qui est extraordinaire et on en tire des conséquences générales qui n'ont pas de sens, parce que d'abord, on ne sait absolument pas, enfin, excusez-moi, mais au Bataclan, c'était des terroristes surarmés qui avaient des fusils d'assaut. Les policiers, ils n'arrivaient pas avec leurs fusils d'assaut, ils étaient avec des petites armes de poing à la limite. Ils n'auraient pas pu s'opposer de toute façon à des terroristes avec des fusils d'assaut. Donc de toute façon… – C'est un argument en tout cas. – Oui, mais c'est un argument qui n'est pas recevable en réalité. C'est-à-dire qu'on comprend l'idée, mais il suffit de réfléchir pour comprendre que ça n'a pas de sens. Voilà. Et que c'est trop dangereux en réalité, et que les conséquences seraient certainement trop importantes et trop graves pour peut-être une fois ça va servir, une fois en 10 ans ça va servir, mais qu'est-ce qu'il y aura d'autre comme problème qui seront créés par cette possibilité? Et puis c'est surtout pour les policiers eux-mêmes. Vous imaginez la responsabilité? Ouais. Il est tout seul avec son arme. Policier 24 heures sur 24. Voilà, pour 24 heures sur 24, et le droit à la déconnexion. Et puis on ne parle pas non plus de la souffrance des policiers, enfin, le nombre de suicides qu'il y a de policiers avec leur arme de service. Enfin, j'entends ici qu'on critique beaucoup la police, mais la police est quand même aussi en souffrance. Donc du coup, cette disposition-là, elle est quand même symptomatique aussi de cette espèce de déni
de ce qu'est la police aussi, par ailleurs, lorsqu'elle ne travaille pas, lorsque, justement, elle est à un concert et que, forcément, elle n'a pas forcément envie d'être armée et de devoir intervenir à tout va, d'autant que la corrélation entre l'interpellation et le fait d'être armée est totalement fallacieux. Enfin, c'est pas parce qu'on est armé qu'on va pouvoir interpeller un terroriste mieux. D'autant plus que, pour avoir un tout petit peu regardé cet article, quand on regarde la rapidité avec laquelle les policiers interviennent sur des lieux où il y a des exactions les plus graves, est impressionnante. On est sur quelques minutes d'intervention. Quelques minutes d'intervention. C'est-à-dire que l'intervention des policiers armés, organisés, plusieurs, une chaîne de commandement est extrêmement rapide et efficace. Donc, de toute façon, il n'y a aucune utilité. Donc, c'est faire peur en plus aux gens pour rien. Alors, on va enfin parler de l'article, le fameux article 24, celui dont on entend le plus parler, celui dans lequel il y a eu un focus dans la presse. L'article 24, il sanctionne d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende la diffusion du visage ou de tous ces éléments d'identification des membres des forces de l'ordre en opération dans un but malveillant. Ce nouveau délit, il s'exerce sans préjudice du droit d'informer, nous dit le gouvernement. L'intention de nuire doit être manifeste. La divulgation du numéro d'identification individuelle, le fameux dit RIO, n'est pas concernée. Pour les auteurs de la proposition de loi, il s'agit de protéger les forces de l'ordre sur les réseaux sociaux. Alors, sur cet article 24, ça s'est retourné. Il y a eu des modifications, des débats, on a parlé de réécriture, etc. On en est où aujourd'hui, Martin Méchin ? Ce qui est fascinant, en fait, c'est le timing avec lequel cet article apparaît dans la proposition de loi. C'est-à-dire que depuis, on va dire depuis 2 ans, si je schématise, on a un focus qui est fait sur les violences policières, notamment depuis le début, en gros, le début du mouvement des Gilets jaunes, et un focus qui est fait sur les violences policières grâce aux vidéos. Et il faut être honnête, il n'y aurait pas eu de vidéo, on n'aurait jamais eu tous ces signalements. Alors c'est notamment par David Dufresne, mais il y en a eu beaucoup d'autres, évidemment. Et en réalité, toutes les affaires graves qui sont sorties de violences policières, et il y en a eu un certain nombre, toutes, elles sont documentées par des vidéos. Et ce qui est fascinant, c'est que pour ce gouvernement, la réponse à ça, c'est pas de dire « Ah bah oui, effectivement, on constate qu'il y a un problème de violences policières, on constate qu'il y a un problème de maintien de l'ordre. » C'est « En réalité, on va supprimer les vidéos. » Alors, évidemment, je le dis de manière un peu schématique, parce qu'il n'est pas interdit de filmer. Ce n'est pas dit comme ça dans la loi. Évidemment, le gouvernement dit, et les parlementaires vont dire, non, mais on n'interdit pas du tout de filmer. Vous inquiétez pas, vous avez le droit de filmer. D'accord, mais qui va décider sur le terrain de si vous pouvez filmer ou pas? Parce que qui apprécie en réalité sur le terrain si la vidéo, elle est prise pour nuire aux policiers et dans une intention manifestement malveillante? Qui apprécie ça? Ce sont les policiers, et ce sont les seuls sur le terrain qui vont avoir compétence pour apprécier, et qui en réalité pourront interdire à quelqu'un de filmer, parce que eux, ils vont estimer à ce moment-là, à un moment T, qui est le moment de l'intervention policière qui est filmée, ils vont décider qu'il y a suspicion que l'intention soit malveillante. Et donc, le délit, ça veut dire quoi ? C'est ça interdit, mais ça veut dire qu'on peut interpeller l'individu. Ça veut dire qu'on peut le placer en garde à vue. Et ça veut dire qu'en réalité, on peut mettre fin à la vidéo. Alors après, peut-être qu'effectivement, l'individu pourra prouver qu'il n'y avait rien de malveillant. Mais ça, c'est a posteriori, c'est trop tard. Parce qu'il aurait été interpellé, il aurait été empêché de filmer, il aurait été placé en garde à vue. Alors peut-être que 24 heures après, le parquet dira « vous êtes gentil, mais vous me libérez là, parce que… » Voilà. Ce qu'il faut savoir, en fait, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que la personne qui décide du placement en garde à vue, c'est le policier, c'est pas un magistrat qui décide du placement en garde à vue, c'est pas le procureur qui décide du placement en garde à vue. Le procureur, lui, il va décider de la levée de la garde à vue, mais celui qui décide du placement en garde à vue, c'est l'OPJ. Et donc l'OPJ, si le policier de terrain lui dit « moi, j'ai été filmé alors que j'étais en train d'intervenir et manifestement c'était malveillant », ok, placement en garde à vue. Voilà, c'est ça le problème. Donc bien sûr qu'en réalité, c'est pas dit comme ça dans la loi, il n'y a pas une interdiction de filmer, mais encore une fois, ça donne un pouvoir à la police qui est exorbitant et qui est inacceptable. On va regarder une vidéo justement, parce que vous me dites que il y a de nombreuses vidéos qui ont justement médiatisé des affaires de violences policières. On pense notamment à Cédric Chouviat. Ouais, mais en fait, juste un mot, il y a aucune affaire de violences policières qui est sortie récemment pour laquelle il n'y avait pas de vidéo. Aucune. Ouais. Toutes les affaires qui sortent, c'est toutes les affaires pour lesquelles il y avait des vidéos. Si vous n'avez pas de vidéo devant l'IGPN ou devant le parquet, vous êtes mort. Voilà. Si vous n'avez pas la preuve vidéo, vous êtes mort. Parce qu'il y a eu nombreuses vidéos, il y a eu, je viens de le dire, Cédric Chouviat, mais il y en a eu d'autres. On va regarder tout de suite justement un petit montage à ce propos. Tout bascule au moment de la charge des CRS.
Geneviève Leguet reste à terre. Les secouristes sont alors bloqués à l'écart. Alors là, on vient de voir une vidéo d'un tabassage en règle dans un Burger King contre des gilets jaunes. Il y a eu aussi une charge policière contre Geneviève Leguet, une manifestante à Nice. Alors avec l'article 24, on aurait pu, vous dites que finalement peut-être ces vidéos, on n'aurait peut-être pas pu les voir. On pense aussi d'ailleurs à celle de Boubacar Dramé en première partie d'émission. Voilà, je l'ai cité, Cédric Chouviat. On a vu l'interpellation en vidéo. Celle qui a entraîné l'interpellation qui a entraîné sa mort, vous dites finalement c'est ça aussi l'article 24, c'est des vidéos qui ne sortiront jamais. Bien sûr, alors peut-être il y en a qui sortiront, bien sûr, mais en réalité ça donne le pouvoir à la police d'empêcher les gens de filmer. C'est aussi simple que ça en fait, parce que là quand on sur les interventions on voit parfois les policiers qui disent arrête de filmer, et puis la personne qui filme qui dit bah non moi j'ai le droit de filmer, je suis sur la voie publique, filme, voilà. Mais là avec cet article là c'est fini, arrête de filmer, t'es malveillant. Je t'interpelle, c'est un délit puni d'un an d'emprisonnement. On entend aussi que l'article 24 pourrait être recyclé dans l'article 18 de la loi contre le séparatisme, enfin, avec le vrai nom projet de loi confortant le respect des principes de la République. Mais bon, on peut dire la loi contre le séparatisme. On va le retrouver, cet article ? Ça, je sais pas où ça en est au niveau du... J'ai pas regardé où ça en était, peut-être que vous avez... L'article 18, il est encore plus mal rédigé que l'article 24. Et il est encore bien plus large. C'est-à-dire que c'est encore un délit d'intention, mais encore plus large que l'article 24. Je pense qu'il y a tellement un focus qui a été mis sur l'article 24 que du coup, il a été réécrit. Quand bien même les éléments matériels et intentionnels sont encore très flous et qu'on est dans tout à fait ce qu'a dit... Martin, c'est-à-dire des dérives qui vont finalement empêcher les gens de manifester, empêcher les gens de filmer, empêcher les gens de manifester et empêcher aussi l'autorité judiciaire de pouvoir mener à bien des enquêtes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces vidéos, elles sont très précieuses aussi. Les vidéos qui sont prises par les citoyens, qui sont prises par les manifestants, elles sont très précieuses pour l'autorité judiciaire. Parce que c'est véritablement une manière, un élément de preuve, un élément probatoire qui permet d'objectiver un déroulement des faits qui va être, comme par hasard, très différent... du déroulement des faits qui sera déballé par les policiers. Donc du coup, on voit bien que ces articles 24 et 18, étant indiqué que l'article 18, pour l'instant, est en cours de peaufinage, nous disent les parlementaires, mais en tous les cas, il est beaucoup plus large et il ne permettra pas davantage de protéger les policiers. – Finalement… La lutte contre la loi sécurité globale, la lutte contre la loi sur les principes qui conforte les principes de la République, même combat, Arthur ? Moi, je vais plutôt avoir un autre son de cloche que vous. Moi, je pense que cet article 24, il n'a jamais été sérieux. Je pense que la police n'a aucune envie très forte d'empêcher la population de filmer. Parce qu'en fait, dans les images qu'on voit, il y en a beaucoup qui arrangent la police. La police, pourquoi elle frappe les gens ? Pour faire peur les gens, pour qu'ils ne viennent pas à manifestation. Mais cette loi, c'est pas une loi pour satisfaire aussi un peu la corporation policière tout de même ? Oui, c'est sûr. Mais l'article 24, apparemment, nous, ce qu'on a compris, c'était pas la revendication première du tout de la police. C'est plus sur la multiplication des appareils de surveillance, plus sur l'armement, etc. Finalement, c'est toute la loi le problème. Il faudrait la loi. Moi, ce que j'ai vraiment peur dans cette histoire d'article 24, c'est qu'on ait eu. Donc on commence avec beaucoup de documentation de violence policière, ça passe pas. Et en fait, l'idée du gouvernement, c'est de dire OK, vous pouvez nous filmer. La population filme la police, mais en échange, nous, on va vous filmer encore plus. Ouais. Donc du coup, pour cette négociation-là, on commence par faire un article 24, dont en fait personne ne veut vraiment, pour faire comme si on allait vous interdire de filmer, et ensuite on le supprime pour faire une négociation du type « Ok, vous pouvez nous filmer, d'accord, mais nous, en échange, on vous balance des drones, on vous balance des caméras portatives. » Et vraiment, cet article 24, là, actuellement au Sénat, tel qu'il est, alors peut-être que ce n'est pas le Sénat eux-mêmes qui vont l'enlever, mais en tout cas, des auditions qu'on a, les sénateurs, eux, ils comprennent que le gouvernement va le retirer au moins à l'Assemblée nationale. Donc, en fait, c'était un écran de fumée. C'était un écran de fumée pour... Bah, ça a bien marché. On n'est pas sûr entièrement que c'est le cas, mais en tout cas, ça a eu cet effet-là dans le débat public. On a vu que la plupart des journaux ne parlaient de la loi sécurité globale que pour parler de l'article 24, qu'au final, quand bien il serait supprimé, il reviendrait dans la loi séparatisme. Mais même là, cet article 18, il est écrit tellement n'importe comment que j'ai vraiment des doutes. Moi, je commence à avoir des doutes sur quel effet il aura dans la vraie vie. Quel juge irait appliquer ce truc qui ne veut rien dire, qui on comprend même pas dans quel cadre général ça s'implique. C'est pas l'application par les juges. Ça peut être l'application sur le terrain. C'est ça le problème. Mais dès aujourd'hui, il le fait.
fait. Enfin, moi, je suis constamment menacé par la police dès que je la filme ou quoi que ce soit. Elle le fait dès aujourd'hui et elle n'a pas besoin de loi pour violer les pour s'imposer. Faut, hein. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est-à-dire que ces articles 18 ou 24, en dehors des stratégies parlementaires hein, pour faire avaler ou pas la moitié d'un texte ou pas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un courant qui est déjà présent depuis de nombreuses années dans le maintien de l'ordre et dans la répression des contestations sociales. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup de délits d'intention pour pouvoir placer les gens en garde à vue de manière préventive. Je vous donne un exemple, il y a une infraction qui est énormément utilisée par les policiers dans le cadre du maintien de l'ordre, qui est la participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. On est dans le pur délit d'intention. C'est en fait cette infraction énormément, énormément. Elle est utilisée depuis des années dans le cadre des manifestations parce que c'est une infraction fourre-tout. C'est un peu l'association de malfaiteurs low cost où on a une infraction qui permet de réprimer n'importe quel comportement. Il suffit que vous ayez des lunettes de piscine, que vous ayez n'importe quel ustensile de la vie quotidienne pour qu'on vous soupçonne d'être un manifestant potentiellement violent et qu'on vous interpelle, comme le disait Martin, on vous interpelle, on vous place en garde à vue, on prolonge votre garde à vue même pendant 24 heures. Donc du coup, vous restez 48 heures en garde à vue, votre procédure est classée sans suite, mais pendant ce temps-là, vous n'avez pas manifesté. – Parce qu'on a quand même vu à Paris, en comparution immédiate, des gens qui passaient notamment au début du mouvement mais des la Gilets très, jaunes, très grande... des gens qui arrivaient en comparution immédiate parce qu'ils avaient la du très, sérum très... fille et des lunettes de piscine, hein, et qu'ils étaient habillés en noir. – Tout à fait, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ces infractions-là, elles sont créées, ces délits d'intention-là, elles sont créées pour réprimer. Non pas forcément pour condamner, mais pour réprimer les mobilisations sociales. On va conclure avec les questions des internautes. Benoît, salut. Bonsoir. Ça va ? Ça va bien. Ça va ? J'espère que l'attente n'a pas été trop longue. Ça va, ça va. On avait de quoi lire sur les réseaux. Ouais. Alors, du coup, Benoît Piedalu, tu es de la coordination contre la loi Sécurité Globale. Tu es venu là en plateau pour nous ramener les questions des internautes. Tu t'es, je le précise, beaucoup impliqué dans l'organisation de cette émission. Tu as compilé donc, ces différentes questions. Dis-nous la première. Alors on en a une, alors on en a un certain nombre de très intéressantes. Il y en a une qui demande, on parle beaucoup des risques d'usage des vidéos, finalement, à des fins de fichage et de poursuites judiciaires. Actuellement, est-ce qu'elles sont beaucoup utilisées et d'où viennent ces images Martin qui sont Méchin, utilisées peut-être. Alors, les vidéos utilisées sur le fichage, je ne sais pas, parce que par principe, c'est des choses auxquelles on n'a pas accès. Donc oui, il y a des vidéos qui sont utilisées par les services de renseignement. Alors, quand je dis les renseignements, ce n'est pas forcément la DGSI, hein. Ça peut être les renseignements de la préfecture de police de Paris qui filment. Effectivement, ils ont des policiers, ils ont les drones, évidemment, qui sont les drones de la préfecture, mais ils ont aussi des policiers sur le terrain qui filment. Et ça, on ne sait pas ce qu'ils en font de ces vidéos, parce qu'en fait, ils en font, eux, des fichiers, des compilations. C'est ce qu'on appelle du renseignement. Mais ça, nous, enfin moi, avocat, je n'ai pas accès à ces données de renseignement. Donc oui, elles sont utilisées, mais je ne peux pas vous dire dans quelle mesure et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pratique. Mais évidemment que c'est utilisé d'ores et déjà. – Juste dans le dernier fichier, là, vous vous souvenez sûrement, en décembre dernier 2020, il y a trois fichiers de police qui ont été étendus, hein, on a beaucoup parlé. Il y a la CNIL qui commentait, hein, qui, dans son avis, et qui disait par exemple que les vidéos et les images qui étaient publiées sur les réseaux sociaux allaient venir nourrir les fichiers de police. Donc typiquement, voilà, si vous filmez ou si la police, a fortiori, filme une manifestation et voit quelqu'un en train de taguer sur le mur, mais ça la CNIL dit, bah ouais, c'est typiquement le genre de choses qui va alimenter le fichier. – Une autre question ?– Alors oui, une autre question sur les flux vidéo aussi. Est-il possible en pratique, finalement, d'exploiter une telle augmentation des flux vidéo et sinon, dans quelles conditions elles sont aujourd'hui exploitables ? Peut-être Arthur. Ouais, ça c'est vraiment tout l'enjeu qu'on a autour de la technopolis. C'est l'argument récurrent des villes et des industries, c'est… Oups, on a déployé beaucoup trop de vidéos, de vidéosurveillance, on est passé de 10 000 à 35 000 en 10 ans, on ne peut plus regarder, on n'a plus assez d'yeux humains pour regarder. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des robots, on va mettre de l'analyse automatisée d'images, voire de la reconnaissance faciale, et en fait, c'est cette surenchère de nombre, de multiplication de caméras qui vient justifier l'analyse automatisée, la reconnaissance faciale. Donc c'est un peu une arnaque intellectuelle, n'empêche que ça convainc, enfin ça convainc en tout cas des élus et des industriels à s'engager là-dedans. Donc technologiquement, actuellement, ce n'est pas sûr qu'on puisse exploiter toutes les images, mais c'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif qu'on va retrouver dans le livre blanc de la sécurité intérieure de Darmanin, que d'ici 2024, vraiment tout ça soit bien rodé pour les JO, qu'on ait des machines qui puissent analyser un maximum de flux. Je disais ça tout à l'heure, c'est un marché, c'est vraiment sur le plan technologique aussi. Tu as une troisième question ? Alors oui, est-ce que finalement l'article 25 qui donne des droits aux policiers en matière de port d'armes dans des lieux publics, enfin ouverts au public, finalement on a l'impression que ça donne
plus de pouvoir pratiquement aux policiers qu'aux policiers américains. On se retrouverait finalement dans une sorte de Far West en France. Est-ce que vraiment c'est une augmentation vraiment très importante par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays comme les États-Unis ? Sarah Massoud. Alors qu'on voit qu'aux États-Unis, il y a un taux d'armement, y compris des citoyens, qui est exponentiel. On en entend parler très régulièrement, et ce depuis de nombreuses années. Bah, les policiers n'auront pas le droit qui est prévu dans ce texte sécurité globale que de pouvoir être armés dans des lieux ouverts au public. Donc y compris aux États-Unis, cette disposition-là, elle a été proposée hein, plusieurs fois aux États-Unis, mais elle a été censurée. Donc on va même plus loin que ce qui est prévu aux États-Unis, alors que ce sont quand même les champions du monde de l'armement. Donc c'est dire jusqu'où va ce texte. Avec cet argument de Jean-Michel Fauvergue devant les parlementaires, qui était de dire « oui, mais tout ceci sera encadré, il y aura des garanties, et ces garanties seront prévues par décret ». On voit bien l'entourloupe et comment tout ça, finalement, participe, je le répète, hein, mais c'est un mot qui est important, je pense, ce soir, participe de la militarisation des missions de sécurisation de l'espace public. Une ou deux questions encore ? Alors encore deux questions. La première, ce sera dans quel cadre, si la loi passe, dans quel cadre les drones pourraient-ils être déployés ? Est-ce que c'est uniquement dans les manifestations, dans des cas d'attentats ? Ou finalement, est-ce que tout le temps, on pourrait les retrouver dans la rue ? C'est une question pour vous, Arthur. Oui, ça va être très simple. Hein. Alors actuellement, je répète, hein, c'est dans aucun cadre qui va être déployé. Et les finalités qui sont prévues dans la loi, elles sont très nombreuses. Il y en a certaines qui sont suffisamment larges pour couvrir à peu près tout. Par exemple, on a la surveillance des frontières. Donc là, il n'y a même pas d'infraction qui est pointée. Hein. Si on surveille les frontières, donc déjà, c'est une bonne partie du territoire. Et après, il y a suffisamment d'infractions ou de comportements qui sont visés pour que oui, ça peut être tout et n'importe quoi. Et vraiment, encore une fois, quand on regarde le JO, quand on regarde ce qui est prévu pour les JO 2024, c'est ça le but, c'est de mettre un maximum de drones dans la rue pour impressionner les visiteurs, pour impressionner la presse internationale par la débauche de technologie qu'il y a. Et vraiment, il y a de quoi faire avec la loi actuelle telle qu'elle est. Dernière question. Alors la dernière question, finalement, c'est une question qui résume un peu tout. Sera-t-il possible de détricoter toutes ces lois si Macron ou Le Pen ne passe pas en 2022 ? C'est le gros problème qui était soulevé par Sarah tout à l'heure sur le fait que, en fait, quand on commence avec un état d'urgence, on adopte des lois et puis en fait après c'est très compliqué de revenir en arrière. C'est-à-dire que il y a une fuite en avant en fait. Il y a une fuite en avant sécuritaire. Alors c'est un peu ce que l'on voit actuellement. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un mouvement de reflux, bien sûr, mais c'est toujours compliqué de revenir en arrière sur ces lois-là qui sont des lois sécuritaires, que l'on vous vend comme des lois qui sont là pour protéger les citoyens, parce que quel gouvernement va venir après et va dire « Ah oui, mais en fait, on va un peu moins protéger les citoyens, parce que c'est comme ça que c'est présenté de toute façon. Donc ça ne sera pas « on va vous donner plus de liberté », ça sera ou alors si un gouvernement le présente comme ça, on va dire « Oui, mais là, vous mettez en danger les citoyens ». Quel gouvernement aura le courage de dire « Mais non, on ne met pas en danger les citoyens si finalement la police a moins de pouvoir. Franchement, j'attends de voir hein, le gouvernement qui aura le courage de faire ça. Mais je suis circonspect, pour le moins. – On le voit déjà avec les mairies. Hein. Aujourd'hui, on a des mairies qui passent de droite à gauche, ça arrive ouais. régulièrement, et qui gardent les mêmes projets de déploiement de vidéosurveillance, même parfois de vidéos automatisées. – C'est ce qu'on appelle les effets cliqués en droit. C'est-à-dire que quand vous changez, quand vous bousculez un ordonnancement juridique, il est quasiment impossible de revenir en arrière. Ou alors il faut énormément de courage politique, mais on voit bien que le courage politique est une denrée extrêmement rare, quelle que soit la couleur politique d'ailleurs. Et puis par ailleurs, il y a un autre effet qu'on mesure de plus en plus, de manière de plus en plus précise, c'est l'effet d'accoutumance. C'est-à-dire que plus vous êtes privé de liberté, plus vous vous habituez à être entravé dans vos droits. Et ça, pour le coup, c'est presque des effets cliqués internes à chaque citoyen, au centre même de la population. C'est-à-dire que plus vous êtes habitué à plus pouvoir... Je vous donne un exemple. Il y a énormément de témoignages de personnes qui vous disent aujourd'hui « J'admets que je ne vais plus aller manifester parce que j'ai peur des policiers, je vois bien que ça peut déraper et tout ça ». C'est intégrer le fait que... En même temps, les dernières manifestations, c'était costaud. Tout à fait, mais parce que vous avez... des effets de brutalisation, parce que vous avez une répression de plus en plus féroce. Du coup, ça a un effet choc sur les populations. Du coup, ça a un effet sur les libertés, ce qui est dénoncé et tout ça. Mais il n'en demeure pas moins que, du coup, cette liberté de manifester, qui n'est absolument pas altérée dans les textes fondateurs, dans la Constitution, on ne touche pas à cette liberté de manifester. Ils n'y toucheront pas, d'ailleurs.
Mais indirectement, on habitue les gens, du coup, à ne plus aller sur les lieux de cortège parce qu'on a créé les conditions pour pouvoir accepter cette entrave et puis les risques qui seraient liés à l'exercice de cette liberté. Donc les effets d'accoutumance, je vous ai donné juste l'exemple de la liberté manifestée, mais je pourrais vous donner des tas d'autres exemples sur d'autres libertés, notamment les libertés d'aller et venir tout autre. Eh bien cet effet d'accoutumance-là, il atteint aussi des points de non-retour. Et je pense que nos gamins, moi, quand j'étais enfant, j'avais l'habitude d'aller manifester le dimanche. J'étais pas forcément en plus dans une famille de gauchistes, hein, mais ça faisait partie de la vie, d'un quotidien. En tous les cas, les enfants savaient ce que c'était qu'une manifestation. Je pense qu'aujourd'hui, avoir 8 ans, 10 ans, 12 ans, et ben ces personnes-là, ces petites personnes-là, quand elles en auront 15 et 16, et ben elles n'auront plus la connaissance de ce que c'est que d'aller fêter le 1er mai dans la rue. Vous voyez les effets d'accoutumance ? C'est ça aussi. C'est triste, mais c'est réel. On pourrait parler pendant des heures, hein, mais on est un peu obligé de s'arrêter, c'est la fin de cette émission. Restez connectés à la coordination, d'autres rendez-vous sont prévus en ligne. Merci à tous les quatre, hein. Merci. C'était merci. Super, c'était très intéressant. Le 16 mars, le Sénat entame sa première lecture de la loi sécurité globale. La coordination sera dans la rue, n'est-ce pas ? Le 20 mars, il y a la marche des collectifs de familles et blessés victimes de violences policières. On vous attend. Voilà, beaucoup de personnes se sont mobilisées pour la réussite de cette émission. Merci à Romain Madoud et Léo Logat, super binôme de la régie et de l'oreillette. Merci à Jordan Escoda au son, Bertrand Bernier à la production, Alexis Debaille au montage, Adrien Colra au graphisme, Élie Bonneton, Louis Guidal et Salomé Gaddafi au cadre, Raphaël Piedalu au stream, Benoît Piedalu, Elisabeth Joniot, Sonia Reyn, Emmanuel Devaux à la modération, au maquillage Rosalba Delphine et Clara Bernabeu. Merci aussi à Violette Voldoir, co-rédactrice en chef de Radio Parleur qui a animé la première partie de cette émission. Merci aussi à Emmanuel Vire, François Bader, Pablo Ekel de la coordination Loi Sécurité Globale pour leur participation en coulisses. On vous dit à très bientôt, passez une bonne soirée, ciao.